Wep, wep. Wep, wep, wep. Wep, wep. Eh mais d'ailleurs, c'est bientôt le retour de cette musique, non? Dès qu'il y aura l'événement anniversaire. Et c'est dans pas longtemps, hein. Oh, Unite a 2 ans dans un mois. OMG. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Nel qui est arrivé le premier aujourd'hui, Purple qui raid en plus au lancement, mon Purple qui vient raid au lancement en plus de ça, merci beaucoup mon gros Purple pour le raid, bienvenue à toutes et à tous. Il l'a fait, victoire de Purple bien sûr, la transition est exceptionnelle, vous arrivez pile au moment où je lance le stream, je viens de cut le waiting screen. C'est exceptionnel, le timing est parfait. Bonsoir Birou, donc bonsoir Chris Comic, bonsoir Le Forex, bonsoir Baba, bonsoir Misaki, bonsoir Orania, bonsoir Coco Yacht. Et le raid parfait, vous avez vu ça? Oh, le raid qui arrivait juste avant le. Vous arrivez vraiment au meilleur des moments pour le début du dimanche analyse, le talk show e-sport actualité sur Pokémon Unite que l'on réalise, j'allais dire tous les dimanches à 14h. Pas forcément tous les dimanches, mais en tout cas le plus de dimanches possible. Merci d'ailleurs, mon Serods qui arrive et qui lance une subgift à Sorcifleur au passage. Victoire de tout Serods, évidemment. Merci mon pour ton soutien, mon bro. 86 subgifts de Serods déjà sur cette chaîne. OMG! Il faut penser à s'arrêter un jour là. Pour ça, s'arrêter. Hein. En tout cas, merci Serods pour ton soutien dans les projets, notamment Plush Keepers, parce que les subs permettent ce genre de choses d'ailleurs. En parlant de Plush Keepers, annonce demain aussi au passage. Mais voilà, ça, je pourrais peut-être teaser l'annonce dans ce dimanche analyse en intro, mais avant d'accueillir notre invité, puisque comme je le disais, on est sur un talk show e-sport, actualité, game viewer, analyse sur Pokémon Unite. On va accueillir un invité dans quelques instants, vous avez vu son nom, il s'agit de Forwards. Et je suis content d'accueillir Forwards aujourd'hui parce que le but du dimanche analyse, c'est aussi de mettre en avant les joueurs de la scène compétitive française, pourquoi pas internationale un jour, hein, mais c'est vrai qu'on n'a encore jamais eu d'invité international, mettre en valeur donc des joueurs, et moi j'ai envie de mettre en valeur des joueurs un peu plus méconnus, c'est vrai que sur les dernières semaines, bah, on avait accueilli Ware, on avait accueilli Ikles, on a accueilli Utao, on a accueilli Megu, Lunder aussi, bref, on a accueilli quand même des joueurs du top 4 Ryu, voilà, que vous commencez à connaître, que vous voyez en casse, etc. Et c'est très cool de mettre des visages sur des noms. Et aujourd'hui, Forward, c'est un petit nouveau sur la scène française. Ça fait un petit moment qu'on le suit. Et en plus, je suis d'autant plus content de vous le présenter aujourd'hui qu'il fait partie de l'équipe Plush Keepers, en plus, évidemment. Et ça, c'est encore assez sympa. Forward, c'est connu quand même. Mais pas forcément, Black Goku. En tout cas, comparé à des joueurs du top 4 européen, c'est forcément des joueurs qui ne connaissent pas. Mais évidemment, les assidus comme toi connaissent ce nom. Et vous allez pouvoir apprendre à le connaître. Et ça fait très plaisir. Ouais, je t'ai invité, j'espère. J'espère. GG, sinon pour ton classement hier soir. GG, Mirou. Mirou, t'as fait une belle impression à Aishi, hein, d'ailleurs, et à tes coéquipiers. On en avait reparlé un petit peu après l'événement. Donc, je ne doutais pas de toi. Bravo à toi, Mirou, pour ta perf aussi. On a fini 3ème hein, hier, si vous avez suivi le tournoi Feu Follet. On a fini 3ème avec notre équipe, avec notre capitaine, la légende Kujo, qui n'était pas master. Et, et vraiment, fini 3ème avec lui, parce que voilà, c'était incroyable. C'était vraiment une très belle soirée hier soir. Soirée qui reviendra peut-être un de ces quatre, bien sûr. La prochaine soirée, le prochain stream, ce sera jeudi soir. On s'écoutera l'intégrale de Weshden et on ira ensuite jouer les in-house Plush Keepers, comme vous le savez, les fameux in-house à 21h du Discord Plush Keepers. Rejoignez mon Discord pour avoir le planning des streams, bien sûr, le Discord Plush Keepers pour avoir le lien des in-house. Et en parlant du Discord Plush Keepers, je vous invite à aller le suivre, parce qu'il y a une annonce qui va arriver demain, je peux déjà vous la spoiler pour ceux qui sont arrivés au début de ce dimanche analyse. Je vous avais parlé du Donation Goal, qui était la Plush Keepers Academy, lors de l'événement Livic de Dream, justement, qui avait eu lieu la semaine dernière. 1 000 € donnés en faveur de l'association Make-A-Wish France pour réaliser des vœux d'enfants malades. Et je m'engageais à organiser de la Plush Keepers Academy. La première partie du projet, dira-t-on, arrive demain. Et pour le coup, c'est encore plus gros que ce que j'imaginais. J'imaginais un petit truc chill et tout. L'annonce quand même est assez fat. Donc rendez-vous demain pour l'annonce de la première partie de la Plush Keepers Academy,
qui, on le rappelle, est le projet d'équipe académique Plush Keepers. Donc, deux phases dans ce projet. L'un, c'est pour l'équipe Plush Keepers d'avoir une équipe réserve, une équipe secondaire. Enfin, secondaire, en tout cas, en termes d'importance dans la hiérarchie de niveau, mais en tout cas, pas en termes de priorité qu'on va mettre, parce que c'est un roster sur lequel on va bosser énormément. Le but, c'est d'avoir 5 pépites, 5 nouveaux joueurs un petit peu qui commencent sur le Competitive Unite et leur permettre d'avoir tout l'accompagnement Plush Keepers pour les amener au meilleur niveau, pourquoi pas dans la line-up principale ou autre, ou même voir battre la line-up principale, on sait jamais, ça se trouve la line-up académique va être meilleure, hein, on ne sait pas. Mais ouais, sachant que la line-up principale, elle, va changer mi-août, ça permet d'avoir une académie, avec cette académie, on aura la visibilité sur ce qu'on va faire dès qu'on va refaire le roster principal, intégrer des gens de l'académie dans le roster principal, etc. etc. Parce que vous le savez, le roster principal est un petit peu en pause jusqu'à mi-août et son disband, même s'il y a le bon forward qui est présent. Et en plus de le fait d'avoir cette équipe 2, le but aussi de l'académie, c'est au-delà d'avoir 5-6 joueurs qu'on pousse, le but c'est d'avoir plein de joueurs qu'on pousse, pas que 6-5-6 joueurs, pas que Plush Keepers Academy. Le but c'est aussi de permettre à plein de joueurs compétitifs sur la scène française de se pousser. Et c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis le début de mon contenu, que je suis sur Twitch, j'essaie vraiment de pousser les gens compétitifs, de les aider avec les Discord français, à relier les différentes actualités, différents tournois, à caster, à vous donner des ressources pour vous lancer, trouver des équipes, etc. Donc le but aussi de l'académie, c'est pas d'avoir juste 5-6 joueurs pour le projet Plush Keepers, c'est aussi de former plein d'autres joueurs sur la scène française. Et vous verrez, normalement l'annonce de demain va aller dans ce sens. Donc c'est grave cool, franchement l'annonce de demain elle est grave cool. Toujours un petit stress, petite appréhension pour voir comment vous allez la recevoir. Mais normalement ça va être bien sympathique, vraiment ça va être bien sympathique. Ça va être cool, ça va être cool, ça va être cool. Ashiuto était content d'hier, tant mieux Miru, tant mieux, tant mieux, tant mieux. 3, ça m'intéresse. Ouais, ouais, franchement, je sais que certains sont intéressés. Donc, très honnêtement, vraiment, ça va être cool. Et le fait est qu'en plus de ça, c'est vraiment tout niveau. Parce que les annonces de demain, vous allez voir, elles vont concerner que ce soit des joueurs débutants qui débutent dans le compétitif ou alors des joueurs même du top 8 européen. Vous verrez que tout le monde sera concerné et que tout le monde va progresser. Donc, tout va bien là-dessus. Voilà, c'est pour ça que je vous invite. Je vous remets le lien dans le chat encore. Je me permets de forcer. Mais voilà, vous avez le lien du Discord, du Twitter. Il y aura des annonces là-dessus demain matin, demain midi. Il n'y aura pas de stream pour le coup parce que là ce sera le dernier stream avant jeudi comme je l'avais dit, puisqu'après on va partir. Je suis invité à l'anniversaire de Zervas, le capitaine des Telebobo Believers, à Europa Park. Donc on va prendre 4 jours de vacances à Europa Park et ces 4 jours de vacances sont sponsorisés par le sub de Raon, merci beaucoup. Il l'a fait, victoire de Raon qui va me permettre de faire un tour de plus de Silver Star grâce à son... Grâce à son sub, merci beaucoup mon Raon pour ton soutien bien sûr. Mais oui effectivement, voilà, 4 petits jours de vacances post-regionals pour aller voir la famille, aller à Europa Park avec Zervas, Yutao et Megu. On sera 4 donc là-bas. Et il y aura plein de petites je mettrai des petites stories Insta je pense. Donc je suis pas un très grand Instagrammeur. Donc je garantis pas qu'il y aura masse story, mais vous pouvez quand même aller checker tout ça. Okay. À Strasbourg c'est trop loin Kuros. J'y vais souvent à Strasbourg en vrai par contre. J'y vais souvent mais là c'est trop loin. Là c'est trop loin. Je vais déjà faire 45 villes différentes en 3 jours là pour aller voir la famille et tout machin donc Mais ouais Strasbourg c'est pas loin d'Europa Park, c'est sûr. C'est sûr c'est ça. Silver Star Banger. Ah attraction favorite hein. Silver Star Blue Fire c'est un peu les deux attractions mainstream d'Europa Park, mais moi c'est mes deux bangers hein. Silver Star Blue Fire, je sais pas lequel que je préfère. Hein. Je sais pas lequel que je préfère. Silver Star, on va dire, t'as vraiment la première descente qui est incroyable et après tout le reste c'est juste pour se récupérer de la première descente. Blue Fire, ça envoie vraiment tout le temps donc j'aime bien les deux. Voodan, oh le Voodan c'est violent aussi. Mais Voodan c'est vraiment violent au premier degré quoi. Blue Fire, Silver Star c'est plus posé quoi, c'est vraiment pure sensation. C'est tu vois, c'est la Silver Star Blue Fire, c'est la Formule 1. Sachant que Silver Star est littéralement sponsorisé par Mercedes qui a une F1 dans l'OL et tout. C'est un peu la Formule 1, et le Woodan, c'est l'IndyCar, quoi. C'est des voitures un peu plus rugueuses, ça va vite aussi, t'as des sensations, c'est le même style de conduite, mais c'est plus rugueux, quoi. C'est plus sportif. C'est moins tranquille. C'est moins tranquille. Je suis déjà abonné, bien joué à tous ceux qui sont déjà abonnés à l'Insta, bien sûr. Bon, voilà, écoutez, ça nous fait une bonne intro, tout ça. Est-ce qu'on n'irait pas accueillir notre invité dans quelques instants, Forwards? Alors, déjà... Alors que je vais m'accueillir à réceptionner Forwards, est-ce qu'il y a des gens qui ne le connaissent pas ici? Parce que c'est vrai que, comme j'ai dit ces dernières semaines, je vous demande, est-ce qu'il y a des gens ne connaissent pas Forwards ici? Parce que, comme j'ai dit ces dernières semaines, on a eu quand même des beaux invités. On a eu Ikles qui est même venu en IRL. On avait eu Lunder. On avait eu Tao, Megu, Ware. Bref.
beaucoup de gens. Et c'est vrai que Forwards n'a pas le même palmarès. C'est un fait, parce que Forwards vient d'arriver, mais ça me fait plaisir aussi de montrer des joueurs qui arrivent, et de toute cette génération de nouveaux joueurs qui arrivent pour 2024, parce que et ça me hype beaucoup. Et j'espère que l'annonce de demain des Polish Keepers va vous intéresser. Hello Zeroas, I was just talking about Blue Fire and Silver Star. Zeroas qui aime bien le truc de Batania là. Qui connaît Baba connaît Forwards, Orania connaît, Tatan connaît Forwards. Zervas, tu connais Forwards ou pas là, notre invité d'aujourd'hui? Est-ce que tu connais Forwards, Zervas? Si tu ne connais pas Forwards, c'est terrible. Hein. C'est terrible, hein. Tu dois le connaître. Hein. Baba ne connaît pas. C'est un nom que j'ai déjà entendu, mais ouais, non, je connais pas, nous dit Ice Goku. Mais c'est le but, hein. Non, Zervas ne connaît pas non plus. Eh bien écoutez, ça va être l'heure de le connaître, je crois. Ça va être l'heure de le connaître, je crois, les amis. Ça va être l'heure de le connaître, je vais lancer l'appel au Discord. Forward, est-ce que tu m'entends? Oui. Ah, et moi je t'entends bien aussi, parfait. Ah. Hop là, oui, bonjour. Bonjour Forward, pas de caméra le chat pour le bon Forward aujourd'hui, mais une superbe pépé blanc-coton, j'aime beaucoup cette pépé. Tu sais qui l'a fait? C'est un artiste qui l'a fait ou... Oui, c'est un fanart, c'était un fanart trouvé sur Google. Ouais. Bah écoute, moi je trouve, j'aime beaucoup, je sais pas ce qu'on pense au chat, moi j'aime beaucoup le fanart qui sert de pépé mon bon Forwards. Très heureux de te recevoir aujourd'hui dans le Dimanche Analyse, j'espère que tu as passé une bonne fin de semaine, que tu as passé un bon tryhard. T'avais joué la weekly en plus toi, oui il me semble, ouais. Vendredi. Ouais, j'avais le weekly avec PK, ouais super, en vrai, super week-end. Ah ouais, super week-end, à ce point-là il... Ouais, c'est l'approche des vacances aussi, ça fait plaisir. Ah c'est ça, c'est un petit peu l'engouement qui part, etc. C'est l'engouement des vacances, moi je suis bien d'accord avec ça. Je suis bien d'accord avec ça. Bon, c'est déjà affronté mais ça s'arrête là, etc. Ouais, non, mais en fait il y a pas mal de gens qui te connaissent un petit peu, mon bon Forward. On va pouvoir apprendre à te connaître puisque on va discuter un petit peu ensemble tous les deux, apprendre à te connaître, etc. Te présenter un petit peu aussi aux gens dans le chat. Et on va faire le petit jeu du tu préfères, évidemment, que je réexpliquerai tout à l'heure. On va analyser une game ensemble. J'ai sélectionné un petit BO3 qui pourrait être sympathique à analyser ensemble, qui en plus a quand même une certaine signification, puisque tu étais membre d'un match qui était très important dans l'histoire de Polish Keepers, déjà à l'époque, mais ça on y reviendra. Et après on pourra bien sûr se finir avec les petites game viewers que l'on connaît bien sûr, mais déjà mon bon Forward, pour t'introduire un petit peu, la question que je pose à tous les invités ici, c'est quoi ton main dans Pokémon Unite et c'est quoi ton poste? Alors, dans mon main, donc c'était Blancoton, vu la photo de profil d'ailleurs, et mon poste, je suis un joueur support. La réponse Blancoton était évidemment assez évidente. Après, il y en a qui bait, hein. Par exemple, moi je sais que le jour où j'ai posé la question à Volto qui était invité, il m'a dit répondu pire au but, j'ai fait « Comment ça Comment ça pire au but Et il a dit non, mais moi c'est pas Sucrène mon Pokémon préféré. Hein. Si, le main Sucrène, mais c'est pas son Pokémon préféré à Volto. C'est pour ça. Il y a toujours des surprises, donc c'est pour ça. Préfère demander. Non, moi il n'y a pas de bait, c'est Blancoton. Voilà, pas de bait, Blancoton. On peut en reparler un petit peu de Blancoton, mais pour te resituer un petit peu, pour te présenter au chat, moi j'aimerais voir Forward qu'on reprenne sur les bases de ton parcours compétitif notamment. Toi, comment t'as commencé déjà à jouer à Pokémon Unite? Comment t'as découvert le jeu? Est-ce que tu jouais à la licence Pokémon avant? Ou est-ce que t'as découvert Pokémon avec Unite? Ou comment ça s'est passé l'arrivée sur Unite? Alors, faut savoir que j'ai jamais été un grand joueur de Pokémon, malheureusement. J'ai joué au classique, hein, les Pokémon sur DS. Donc les DS Lite, 3DS, tout ça. Et sinon, j'ai eu les cartes Pokémon aussi, hein. Et donc moi, c'était l'été dernier, donc j'étais plus un joueur PC ou PlayStation avant. Et l'été dernier, donc on était en vacances et avec ma copine, et elle a décidé d'installer ce jeu. Et au début, je lui ai dit « Ouais, non, je le trouvais vraiment pas ouf, le jeu. » Et rincé, éclaté, les électeurs, tout ça. Ah, c'était déjà Rayquaza l'été dernier, je crois, non? Ou c'était encore Lector? Si, j'étais au début, à la fin des Lectors, pardon. Ok, ouais. Et ouais, du coup, je lui ai dit, ouais, non, c'est un jeu éclaté et tout. Et après, elle me l'a fait télécharger. Et depuis, ça y est. C'est l'amour fou entre eux. Ouais, c'est parti. Et qu'est-ce qui t'a fait dire au début que c'était pas ouf? Qu'est-ce que tu trouvais pas ouf dans le jeu? Bah, en vrai, déjà, de force de refaire tout le temps la même chose, les matchs, relancer les mêmes games. Tu vois, il n'y a pas forcément plusieurs modes, malgré qu'il y ait des parties rapides.
Mais il n'y a pas, y avait pas d'autres modes comme draft à l'époque. Ah, c'est vrai. C'est vrai que tout le monde n'aime pas forcément lancer une partie en boucle en MOBA. Il y a des gens, ils peuvent passer des milliers d'heures sur League of Legends depuis 15 ans. Mais c'est vrai que tout le monde n'aime pas forcément ce genre. Et toi, c'était pas forcément ton cas. Tu disais que tu jouais PlayStation, tu jouais pas trop à des jeux compétitifs avant, j'imagine. Tu étais plus. Ouais, non, rien de tout ça. Ouais, Ouais, donc vraiment joueur non, c'est solo. vrai. Ouais, exact, exactement. T'es Et comment ça puis, t'es. du coup, j'ai continué sur la solo queue, hein. Je connaissais personne dans le milieu. Et puis, j'ai rencontré Nova en solo queue qui m'a fait connaître tout ça. Ah, voilà, c'est pour ça. Ouais, tu anticipes ma prochaine question déjà, puisque t'étais joueur genre solo queue dans ce cas-là. Donc, tu découvres le jeu grâce à Madame Forwards, qu'on salue. Tu décides finalement, après te voir que c'était pas fou, il y a un truc qui se passe, tu te dis je vais continuer. C'est quoi? Il y a une sorte d'addiction, parce que si tu trouvais le jeu pas ouf, t'as quand même continué à jouer. Non, c'est Je vrai. Ouais, pense. j'ai voulu progresser, j'ai voulu être meilleur et voilà, à force de jouer et rejouer, on commence à de plus en plus aimer le jeu C'est et ça. voilà. Madame Forwards a arrêté le jeu et tu as continué. Parce que t'as fait un peu beaucoup Non, de solo queue apparemment, mais. elle joue de temps en temps, mais ouais, je joue beaucoup plus. Ouais, fallait. L'investissement était différent, donc pas mal de solo queue, bien sûr, comme nous tous, hein, évidemment. Et puis, tu te rends compte avec Nova, comment ça se passe? Comment tu rencontres Nova, coach plus Keepers actuellement? Bah alors je l'ai rencontré en ranked, en solo, hein. Donc pareil, donc Tu tombes dans je son équipe, jouais toi? à la... T'as dit quoi? Tu tombes dans son équipe, quoi? Ouais, dans son équipe, ouais, avec lui. Et il m'a repéré, il a vu que j'avais un... Donc c'était la méta comfy, donc il a vu que j'avais une bonne comfy, tu vois. Et du coup, C'est quand même bah... dur à déceler les bons joueurs de Guerrilland, c'est. Il faut les trouver quand même. Hein. Le bon joueur de Guerrilland, il va s'accrocher, il va soigner, et puis c'est un bon joueur quoi. Alors que le mauvais joueur de Guerrilland, il va s'accrocher, il va soigner, mais il va pas soigner assez quoi. Alors, il y Voilà a ce quoi. petit truc en plus Oui, non, c'est vraiment. Je dis qui m'a souvent, vu. Guerrilland est vraiment pas facile à jouer, il faut gérer le fait de se détacher, de se rattacher, de tanker les dégâts aussi. Des fois, par exemple, quand un Coupola envoie un feu ensorcelé, tu peux si t'es un Guerrilland full HP, tu peux te détacher, tanker le feu ensorcelé et te rattacher à ton carry pour le tanker les dégâts pour lui. Enfin, il y a plein de petites mécaniques comme ça sur Guerrilland que tu mets donc en place. Ouais, et du coup, bah on a décidé de s'ajouter en ami juste après la game, et puis il m'a présenté le Discord. Donc à l'époque c'était off metagaming et puis voilà, je fais la connaissance de tout le monde et c'est parti quoi. Ouais, donc c'est. Donc, Nova te détecte au début, il te dit quoi? C'est viens jouer avec nous, ou j'ai envie de te tester, je suis off metagaming. Non, au début il m'a dit ouais, il m'a dit bon, on a fait quelques parties après et non, il m'a dit que j'étais un bon joueur sur ce perso et puis voilà quoi, il m'a dit ça, puis il m'a présenté sur le Discord et voilà. Ok, ouais, donc t'es arrivé sur le Discord of Petagaming. À ce moment-là, t'as pas forcément encore, j'imagine, l'ambition de jouer en compétitif, jouer en team, mais tu prends peut-être un peu conscience de ton niveau. Ah ouais, non, du tout, j'avais aucune envie de ça au début, au départ. Donc c'est lui, clairement, il m'a tout fait connaître, c'est grâce à lui en fait, si je connais tout le monde. Qui t'a amené sur le Discord, etc. Et t'es arrivé sans forcément. De volonté de jouer en équipe. T'avais jamais trouvé d'équipe. Hein. Tu jouais encore sur le Discord, mais t'étais toujours un petit peu à droite à gauche, en sub, etc. T'avais. Ouais, non, jamais eu d'équipe. Avant de rejoindre Plush Keeper, c'est pas vraiment d'équipe, quoi, pas du tout. Non, du tout. T'avais sub quand même pour d'autres équipes ou. Bah on avait fait une équipe avec Shinon, une espèce d'équipe. Bon, elle n'a pas duré longtemps, mais à cause du manque de temps de chacun. Mais non, jamais rien de concluant, quoi. Jusqu'au moment où tu fais 2-3 piges pour Plush Keepers, dont une pige qu'on ira analyser tout à l'heure, bien sûr. Et à un moment, tu reçois, j'imagine, la proposition de Nova après cette fin de saison de rejoindre l'équipe. C'est quoi? Il s'est dit que ta Ouais. DM en a besoin de toi Bah au début c'était pour être sub, donc être sub parce qu'il y avait des manque de temps pour certains pour voir jouer. Et donc j'ai sub une fois, deux fois, trois fois, et après ça Nova m'a mis d'accord sur que je sois un joueur plus Keepers pour l'été afin de pouvoir m'améliorer et connaître plus en plus l'équipe. Et comment il quelle est la vision de jeu de l'équipe, etc. Bah ouais, c'est ça, c'est
vraiment préférentiel d'avoir cette place parce que, comme on l'a dit, l'équipe Plush Keepers, le mi-août, elle va être entre guillemets disband. En tout cas, on va refaire des try-out et remettre en question un petit peu la place de chacun dans l'équipe. Ta place également, mais tu as l'avantage d'avoir quand même déjà la confiance de Nova, le fait qu'il peut te préparer pour ses try-out quelques mois avant. Et puis voilà, donc c'est cet avantage-là dont il faudra profiter. Mais évidemment, ta pige est une pige officiellement de sub, entre guillemets, pour jusqu'à mi-août. Et d'ailleurs, on recherche encore le dernier sub, puisque Aishi est parti avec Talibo Believers, et donc on recherche encore un cinquième joueur jusqu'à mi-août. Alors, on a déjà reçu pas mal de candidatures, j'allais dire, n'hésitez pas à renvoyer à Nova. En vrai, on a déjà reçu beaucoup de candidatures, et merci à vous, on a reçu une trentaine de candidatures quasiment. Donc les tryouts sont en cours, et on verra qui rejoindra l'équipe dans pas longtemps. Donc ça y est, Coup de Forwards, c'est vrai que toi t'as une position un petit peu différente par rapport aux autres invités que j'ai déjà eues, ou c'est le début un petit peu de ta carrière compétitive. Est-ce que ça t'a lancé, donné des ambitions pour la saison 2024? Est-ce que ça y est, t'as donné l'envie d'avoir un nouveau projet? Est-ce que ça y a quelque chose qui a changé dans ton mindset par rapport à ton approche du jeu? Ah oui, clairement. Non, clairement, l'objectif c'est de participer au PCS l'année prochaine et d'avoir des bonnes places et dans l'équipe, que ce soit avec Plush Keepers ou une autre. Bon, pour l'instant, c'est Plush Keepers et j'en suis très content. Donc, on verra ce que ça se passe. On vit le jour et voilà. Mais oui, les ambitions sont là. Ouais, c'est ça, la conférence. On verra les autres équipes et ouais, les objectifs pour 2024, ce serait. Participer, parce que un objectif de performance peut-être. Oui, bah clairement après l'objectif c'est top 8 minimum. Et ouais, bah après on le veut tous, hein, c'est le top 1. Top 1 européen, faut aller chercher. Faut le viser, faut aller ratio Talibobo. Projet ratio Talibobo bien sûr pour 2024. Évidemment. Bon. Évidemment. Ah bah ça on ne lâchera pas. Franchement c'est trop bien d'avoir cette situation un peu de début de carrière compétitive. En plus tu me disais t'avais vraiment jamais joué à un jeu compétitif avant toi. C'était un peu les débuts dans le sport. Est-ce que t'avais fait du sport, de la compétition Rien du tout. Non, vraiment que dalle, c'est vraiment mon premier jeu où là, je suis en compétition entre guillemets. Mais jamais été dans un jeu. Ah ouais, c'était vraiment début de compétition, vraiment même pas de sport, pas d'e-sport, rien, c'est vraiment juste... Ouais, non. On est venu et let's go, c'est du coup de la compétition, de la pression un petit peu, des enjeux. Ça s'est passé comment les premières... parce que quand t'as commencé à sub pour Plush Keepers, il y avait celle pour les weekly. On va y revenir un peu. Ça s'est passé comment un petit peu la découverte de la compétition, de l'adrénaline, de la compétition, ça t'a fait quelque chose ou c'était comme du jeu normal? Non, mais il y a eu de la pression totale au début. Étant donné qu'on joue contre des joueurs qui sont préparés déjà, des équipes qui se connaissent assez bien, j'arrive là en tant que sub, je connais à peu près pas grand monde, ni la façon de jouer et tout, les premières fois, c'est assez compliqué. Mais au fil du temps, j'essaie de m'améliorer et de connaître de mieux en mieux l'équipe et de faire mon mieux, quoi. Bah, c'est à venir, cette découverte un petit peu du compétitif, qui j'espère sera délicieuse, évidemment, en tout cas tant que tu es sous l'égide de Plush Keepers. Et pour l'instant c'est le cas, ça n'est pas prêt de changer. Il y avait Black Goku qui demandait dans le chat quel âge tu avais, tu n'es pas obligé de répondre à cette question, hein. Évidemment c'est des questions... Alors j'ai 20 ans. Ok, 20 ans. Ça marche. La réponse est donnée. La réponse est donnée. Bonsoir aussi à STN, bonsoir le chat. Donc ouais, bah écoute, 20 ans ça reste relativement jeune encore tout de même. Donc on a des joueurs plus jeunes, hein. Utah Omegu sont c'est des bébés encore. Mais du coup il y a ce côté un petit peu découvert la compétition, etc. Pas de soucis, tu vas très vite apprendre, tu vas très vite progresser. C'est vrai que du coup, j'avais cette question que je posais à tout le monde, mais quel était pour toi le moment marquant de ta carrière compétitive Unite? Est-ce qu'il y a déjà dans ta jeu de carrière, toi, il y a un moment qui t'a marqué pendant tes matchs ou dans ta carrière compétitive? C'était il n'y a pas si longtemps. C'est le fait de gagner la wiki chez toi, c'était pas mal. C'est vrai que t'avais une clé, c'était quoi? C'était la 62 ou la 63 que vous avez gagné? C'était il y a 3 semaines, je crois. Ouais, parce qu'il y avait la première qui était l'annonce du projet. Ça avait été une deuxième place, je crois. Ouais. Et c'est ça, il y avait une des 2-3 semaines où effectivement il y avait une victoire finale finalement côté PK. Victoire. Ouais, c'était pas la 62, peut-être la 63 du coup. Je vais revoir les.
Sur le résultat. Attends, on avait gagné? Parce que là, je vois une finale. En 63, on avait perdu en finale. On a perdu deux fois en finale, je crois. Ouais, bah justement, malheureusement, j'étais contre Pécasse en finale. Ah oui, c'est ça, t'étais pas Pécasse. C'est pour ça que je me disais, attends, on a Ouais. Plushkeepers, on a encore jamais gagné. Weekly, je me disais, mais oui, tu étais contre Plushkeepers. Tu jouais ces Ouais. smart balls, j'ai le screen à l'écran. Regardez-moi ça! Je C'est suis vrai qu'on sûr. avait Sly, on avait Sly, c'était la weekly, on avait Sly en sub, et toi tu étais chez Smart Boy avec Reito, Katar, Kimi et Nacho. Vous aviez fait d'ailleurs une très très belle weekly parce que vous aviez battu des équipes, il y avait des équipes du top 4, top 8, top 8 plutôt EU qui étaient dans cette weekly, je me rappelle. Et vous aviez réussi à les battre, donc on a vu une finale française, alors qu'il y avait des grosses équipes européennes comme Gigachad et compagnie. Donc ouais, non, c'était plutôt Ça propre, fait plus plutôt propre. finale française en plus. C'est ça, finale française avec toutes les équipes européennes. Non, c'était une belle weekly, c'est vrai, mais j'ai oublié que t'étais en face. J'ai oublié que t'étais en face. J'ai oublié que t'étais en Après ça face. va. Je crois qu'à ce moment-là, j'avais pas eu encore de proposition pour chez PK, je crois. Ah oui, non, c'était Ça va. normal, hein, tous les cas, tous les cas. Je commence à me sentir vieux dans cette commu. Ah bah après, en vrai de vrai, les amis, les gens qui regardent United, ça peut vous rassurer. Moi, j'ai les stats, analytics, YouTube, Twitch, etc. de l'âge. United reste une communauté qui est assez âgée par rapport aux autres jeux e-sport, hein, quand même. J'ai beaucoup de 24-35 ans qui regardent mes streams, presque une majorité. Donc ouais, mais c'est juste les joueurs effectivement sont plus jeunes. Vous savez, malheureusement entre guillemets, physiologiquement pour la plupart des êtres humains, les réflexes commencent à diminuer à partir dès l'âge de 20 ans, 21 ans, ça commence à diminuer en moyenne. Donc ouais, c'est pour ça qu'on a souvent des joueurs qui performent à 20 ans ou avant, même si c'est clairement pas tu compenses, tu perds des réflexes, mais tu peux compenser avec autre chose, avec l'âge, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. La première, c'est la finale avec Mamochon. Comment ça, la finale avec Mamochon à LED? Allez, à LED. Attention, le 4-35, c'est vieux. Oui, mais c'est bien pour United. La commu United est plus âgée que la commu LOL. Alors, en vrai, vu que LOL, c'est un vieux jeu, je saurais pas te dire. Mais il y a beaucoup de jeux où la communauté United est plus âgée. Parce que c'est Pokémon et parce que c'est un MOBA qui demande moins de mécanique. Et donc, c'est plus facile aussi de jouer, c'est un MOBA où t'as moins besoin de réflexes et de ton cerveau qui va à 1000 à l'heure et de mécaniques de fou. Community game où ça passe vite, mais ouais. Mais ouais. Je sais pas, toi, t'as comme autre. Pokémon, c'est bien connu aussi, hein. Tout le monde connaît, peu importe l'âge. C'est ça. Là où d'autres jeux qui arrivent, les Fortnite de l'époque, etc., pas censé être connu par les trentenaires, quoi, ou plus, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que ça marche. Comme il a 19-20 ans de moyenne. Ah ouais? Ok, je pensais que c'était un peu plus âgé, mais Oh, United, ça doit être Parce qu'encore une fois, à chaque fois que je demande l'âge dans le chat, c'est toujours Il y a les extrêmes, quoi. Mais j'ai quand même beaucoup de gens en dessous de 20 ans sur Twitch. Je sais que Twitch, les gens sont plus jeunes. Les gens qui me regardent sur Twitch sont plus jeunes que les gens qui me regardent sur YouTube. Ça, j'ai les stats aussi. C'est fou, les statistiques, hein. On apprend tant de choses. Sur Twitch, c'est plus international aussi, hein. J'ai à peine 70%, 70-75% de mes viewers qui sont français. Et le reste, c'est beaucoup de. Soit de Suisse, de Belge, soit d'anglophones. Voilà. Mais vous avez les panneaux, hein. Vous avez les statistiques d'ailleurs, des panneaux de la chaîne. Pas de statistiques très précises, mais vous avez les statistiques des pays. Bon, revenons, on s'en fout, revenons à l'interview quand même, c'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse. Mais ouais, non, on a appris à te connaître. Bon, pour moi, c'est vraiment. Tu arrives là, t'as pas fait de sport compétitif avant, t'avais pas fait d'e-sport. Tu débarques en solo queue, repéré, et écoutez, ça part chez Plusskeepers, mais c'est aussi ça, aussi les profils qu'on a envie de voir. L'objectif pour toi, c'est en tout cas à titre personnel, c'est le top 8 européen, que ce soit avec Plusskeepers ou une autre équipe. Toi, tu es parti pour t'investir quand même. 2024, c'est parti, il n'y a pas de. Ah oui, totalement. Full investissement et pas. C'est beau quand même, le se dire qui ça part de jamais fait de compétition de sa vie à l'investissement, c'est parti. Moi je trouve ça beau. Ah ouais, c'est la belle histoire, quand même. En vrai, c'est le Quand même. début encore. C'est ça. Est-ce que tu connais d'autres joueurs qui sont un peu dans ta situation ou parce que j'avoue que ça fait une situation un peu unique quand même. J'en ai pas vraiment rencontré, je crois. Non, tout le monde est déjà bien ancré dans le jeu et dans la communauté. Non. Ouais, ça, Je crois ouais, que je suis donc oui. non, rencontré. C'est ça. C'est plus de gens qui regardent Pump aux Philippines qu'en Algérie, c'est original. Mais je vous dis, j'ai énormément de viewers qui viennent du Japon aussi, etc. Qu'est-ce que des viewers japonais sont là des fois? En fait, c'est juste parce qu'il y a les castes, en fait, les amis. C'est juste que parce qu'il y a les castes, et du coup, avec les castes, des gens de partout qui regardent. Et aux Philippines, United est ultra populaire, hein, donc c'est pour ça.
Le jeu marche très très bien aux Philippines, Pokémon Unite. Mon bon forward se propose qu'on passe ensemble au petit tu préfères, qui va être assez rapide, assez tranquille. Est-ce que tu connais le principe? Dans tous les cas, je vais rappeler au chat. Je vais te proposer deux options et tu vas me dire laquelle tu préfères. Du coup, je vais dire pain au chocolat ou chocolatine. Tu vas me dire ce que tu préfères et pourquoi. Très simple. Okay. Pizza margherita ou pizza aux anchois. Pizza ananas ou pizza. Ouais, beaucoup d'exemples. Hein. Beaucoup d'exemples. Ouais, mais le chat, vous avez compris. Et le chat, n'hésitez pas à répondre aussi. Hein, vous, dans au tu préfères, dans le chat, vous pouvez revenir. Donc, on commence. Thomas, il dit petite question. Quelqu'un saurait comment joindre une team Pokémon Unite. Oh, mais mon ami, il y a toute une communauté qui t'attend sur le Discord Plus Keepers. Si tu veux trouver des joueurs, n'hésite pas. Tous les liens sont dans le chat. Le stream, la première réponse qui me déplaît. Ça, c'est la bonne attitude, ça. Vous avez raison. Restez fidèle à vos convictions. Mon beau forward. Allez. Tu préfères le Hollowear blanc coton avec le chapeau ou le Hollowear blanc coton avec le ruban vert? Aïe. Très important. Moi, j'ai toujours été team ruban. Ah, team ruban, moi aussi, en vrai. Le Hollowear avec le chapeau, qui est, vous savez, le chapeau rouge blanc coton, est plus cher et plus rare. Mais j'avoue que le ruban... Pour moi, le ruban est plus beau. J'avoue, le ruban. Il y a les trois petits rubans roses aussi, j'aime bien, mais le gros ruban vert, il est exceptionnel. Hein. Oui. Le ruban vert, après, n'est pas beau. Si, Kurosé, incroyable. Incroyable. Les deux rubans roses, c'est pas mal aussi, moi j'aime bien, mais le ruban vert à pois, exceptionnel. T'as un grand paquet cadeau qui se balade. Les deux sont gratuits. Ah ouais? Comment ça, les deux? Est-ce qu'il y a un chapeau, il y a tout le monde gratuitement? Bonne question. Pas le chapeau, le gros chapeau violet, non. C'est le ruban, ouais, je ne m'attendrais pas que ce soit gratuit. Enfin, gratuit, obtenable avec les tickets Hollowear, tout ça, machin. Non, peut-être, ouais, ils sont disponibles, je crois, avec les tickets. Ah ouais. Et Ted, y a Thème au passé. Peut-être fouillé. Y a Selene, ok. Le chapeau est meilleur. Ah, y a quand même de la team chapeau, hein. Quand même, petit chapeau, hein, c'est pas malin. Pouah, j'ai pas qui balance un forward, montre ton gros crâne. Climat est agressif, hein. Mais non, il y a pas de cam. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai changé de caméra. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai changé de scène. Non, il y a pas de caméra malheureusement aujourd'hui. Si tu t'appelles. Oui, ça arrive. Pourquoi pas une prochaine fois OMG, hein. Oui. OMG, le face reveal teasé. OMG. Voilà. Faudra revenir sur tes réseaux. J'allais dire, faudra revenir sur tes réseaux, mais tu n'as même pas de. Enfin, tu as un compte Twitter perso. Toi, forward, t'as pas trop de réseaux perso. Sur lesquels ah ouais non, j'ai rien du tout malheureusement. À part le ping Discord bien sûr, sur Discord Plush Keepers quoi, c'est... Mais allez suivre le Discord Plush Keepers. Forward, il ressemble à Blanc Coton. J'avoue que sur cette image, on dirait que tu ressembles à Blanc Coton de fou, hein. Franchement... Il a pas tort, hein. Putain, j'avoue, drop un peu de coton pour voir... Libère un peu de coton pour voir, mec. Hop, une petite boule pollen. C'est ça, hop, du coup, pointe, mec, c'est. Oh, bah, oh, pixel. Oh, la plante, mec. Oh, le RP plante fantastique. Forwards, tu préfères. Tu préfères Philali ou Noctali? Philali pour le gameplay. Gameplay Philali quand même. Noctali, pas, non. Noctali, je sais pas. Mais est-ce que c'est la toxicité ou est-ce que c'est. Trop fort. C'est trop fort, Noctali. Inarrêtable. Ouais, c'est vrai que il y a ce côté-là. En tant que joueur blanc coton, est-ce qu'il y a un counterplay à Noctali qui te colle par le ralentir de toute attaque jusqu'à la mort? Ah non, c'est trop fort. Aucun des deux, c'est une bonne réponse, aucun des deux. Philali en face, Noctali dans ma team. C'est vrai que Noctali a hard counter Philali. C'est vrai qu'au moins Philali a ce petit côté gameplay sympa et. En vrai, Tiba, est-ce que forward toi tu trouves Philali broken? Genre vraiment quand je dis broken c'est vraiment S tier voire S plus quoi. Non il est broken parce qu'il est tier. Après de là à dire il est inarrêtable. Non on peut facilement le counter Philali. Alors que Noctali avec tous ses spells là, trop cheaté, c'est inarrêtable. Non c'est vrai, je suis d'accord. Alors. Si je fais une tier list ranked solo duo trio, je pense que Philali je le mets en S tier parce qu'en solo queue c'est trop bien.
Mais c'est vrai que en 5 stack, quand t'as une Noctali en face, faut quand même drafter le Pokémon. Noctali, le hard counter. Et là, effectivement, Fidali, tu peux le gérer. Je suis d'accord que Noctali. Noctali, ouais, tu c'est comme le classe des fois. Tu vas avoir 5 mecs sur lui et le bug, il va rester en vie, quoi. C'est. Ah non, c'est une galère. Arrive. C'est une galère, ce perso. Moi, j'ai vu hier, c'était quoi? C'était hier, c'était la grande finale du tournoi Feu Follet que j'ai regardé sur le cast de Feu Follet eSport. C'était la team de Yutao et Aishi qui dominaient la game et tout, ça se passait bien, ils étaient en avance, macro ça passait bien et tout. Teamfight Rayquaza, il y a un low class qui a, adverse qui est un peu trop avancé. Ils essayent de catch le low class, ils se mettent à 5 sur le low class. Le low class il tient littéralement 10 secondes tout seul, ils claquent toute leur lunette sur le low class tank, avec le 2 de son support derrière hein, quand même évidemment. Et derrière, bah, l'équipe adverse qui était en retard d'XP, ils peuvent juste arriver et fumer la team de Yutao Aishi qui n'avait plus d'Unite, qui avait tout mis sur le low class, qui reste en vie 10 secondes. Il s'est pris un burst monumental de 5 pélos qui étaient sur lui, en train de l'attaquer avec des haches, avec des pioches, avec des épées. Et le bouc était encore vivant, avec sa carapace. Oh, c'est terrible. Ah non, faudrait en parler un jour de la prasse, faudrait en On ouvrira le dossier là, low class, parce que les gens disent « Oh, il a été nerf et tout !» Non, on va ouvrir le dossier. Ah, faut vraiment arrêter avec ça. Ouvrir le dossier. On va ouvrir le dossier. Et il y a des choses. Le nerf de Noctali, mais c'est un nerf de météore. Ouais, mais c'est vrai que même le météore de Noctali, il est pas mal. Hein. Les Evoli, je suis d'accord qu'ils sont trop forts, hein, certains. Genre, l'Evoli Noctali est vraiment pas mal. L'Evoli de Mentali est trop fort aussi, je trouve. Pour une... C'est censé être une crotte, hein. Oui. Après, je voulais te piéger pour voir parce que t'as dit oui. Mec, je te rappelle que tu joues Tournicoton. Est-ce qu'on peut en parler de ton Nicoton Red Buff? Non, c'est. Foulard Rafale Bandeau Muscle. Est-ce qu'on peut en parler de ton Nicoton quand même? Non, j'avoue, ça ralentit pas mal les mecs. Oui, ça fait que ralentir aussi. Ça peut-être m'aide. Full HP à un mec en 5 secondes? Peut-être aussi. Peut-être. Noctali ne casse pas la méta, je serais curieux de voir les nerfs sur ce poké sans le détruire. Faut voir. Après, il casse pas la méta, oui, pas comme Incitation Guéridante, quoi, mais on va dire que ça counter tellement de choses, Noctali. Tellement de choses, tu te dis, ah bah je peux pas pick ce pick parce qu'il y a Noctali en face. Littéralement, tout le Pokémon corps à corps de base, en fait, Noctali va aller chercher. Encore plus s'ils sont physiques avec tricherie, l'aboiement c'est vraiment fort. Ah ouais. Trop dangereux, Noctali. Ah ouais, non, c'est. Donc ouais, on préfère Fidali pour le gameplay. Ça me va, non mais ça me va. Déjà qu'il soit plus unstoppable, soit aboiement. C'est vrai que le aboiement, le fait que tu sois résistant contrôle de full, plus tu drops les statistiques offensives, plus tu stun à la fin, le cooldown qui est pas si long. Ça fait beaucoup là, non? On parle, c'est un tank, hein. Pas. C'est ça. Ah, bah moi je joue en full polyvalent, hein, solo queue. Hein. Vu le nez alter, griffe rasoir, parti, hein. 80k dégâts, 90k dégâts même, c'est parti, hein. Donc Noctali counter les physiques, c'est normal, il est conçu pour. Mais pas que les physiques, hein. Le problème c'est qu'aboiement ça drop de l'attaque spéciale aussi. Hein. Donc tu vas sur des fenards, tu vas sur des mecs à un des tanks un peu trop avancé et tout. Dans la mêlée, le fenard il se prend un aboiement, il fait plus de dégâts. Voilà. Et le fait qu'il fait plus de dégâts, Noctali est au corps à corps, il peut pas le repousser, enfin c'est des dingueries. Hein. C'est un dingue. Trop fort. Et oui, hier j'ai passé ma soirée sur Noctali et le classe, laisse-moi tranquille. Non, j'ai joué d'essayante aussi. Hein. Oh le CC. Je vous pique CC là, moi j'ai. Après, j'ai fait un BO low class, un BO d'Octali, après j'ai joué de la Céline quand même. Et oh. Bon, après, la Céline, c'est quelque chose aussi. Bref, les tanks et les supports dans ce jeu, c'est quelque chose. Tiens, Forward, toi qui es nouveau joueur, j'en ai improvisé un. Forward, tu préfères. Bon, il est facile celui-là, mais. Elector ou Rayquaza? Rayquaza, 1000 fois. Ouais. Vous voyez que même lui qui a connu Elector seulement quelques semaines. Préfère Rayquaza, on est d'accord. Hein. Ah non, mais t'avais Elector, t'avais gagné la game déjà. C'est vrai que ça, si c'était... Tu te faisais défoncer toute la game, si le mec en face, il avait Elector, c'était fini. Alors que là, on a encore beaucoup d'exemples en weekly PECS que si tu prends Rayquaza, c'est pas gagné. Hein. Non, avec le shield, ouais, tu peux, si tu les casses, tu défends bien. Le fait que s'il y a que deux mecs vivants qui te volent Rayquaza dans l'équipe adverse, mais qui sont que deux pas KO, il y a que deux shields qui sont donnés, donc t'as que deux shields à casser, sur autre truc quoi. Et ouais, Elector, il y avait la zone aussi, quand tu le mettais KO, t'avais la foudre qui tombait sur toi et tout, c'était dinguerie. Hein. Dinguerie.
Mais c'est ce qui est assez incroyable aussi pour l'anecdote, c'est que moi, même quand j'étais à l'événement League of Dreams, dès que je parle à des gens en événement, etc., qui me parlent de Unite, etc., tout le monde a essayé le jeu. C'est une dinguerie comme le nombre de gens qui ont joué au jeu, qui ont au moins essayé le jeu, et qui me disent, bah ouais, j'ai joué à l'époque, c'était Lector, machin, etc. Déjà, 90% des gens, j'exagère pas, ne savent même pas qu'il y a Rayquaza. Les gens se disent, j'ai essayé le jeu, il y avait Lector, et ils ont arrêté, quoi. Et Ah ouais, beaucoup de gens c'est ont dommage. arrêté à cause des Lectors, c'est pour ça. Mais c'est ça qui est dommage, effectivement. Je m'en ratais à cause des lecteurs. Et je le voyais notamment avec la team Peps, ou le chat de Féfé, t'avais tellement de gens qui étaient en mode, ah ouais, bah je. Ah ouais, c'est plus les lecteurs et tout, ah ouais, c'est pas mal et tout, machin, qui est plus les lecteurs, tout ça, blabla, avec tous les nouveaux Pokémon, tous les nouveaux styles de jeu, etc. Mais ouais, lecteurs, à l'époque, j'étais un de ses défenseurs en mode, bah ouais, mais il nous faut absolument une mécanique comme ça, si on enlève les lecteurs, c'est mort, quoi. Parce qu'il y a des gens qui étaient en mode délai les lecteurs, mais j'étais en mode, bah non, faut le changer. Et pour le coup, bah, Team Studio a eu raison, avec le nouveau Rayquaza, qui est quand même. Pas trop mal équilibré, on a pu les critiquer là-dessus, mais honnêtement, Forwards en vrai, le Rayquaza, maintenant, il est pas mal comme il est, non? Non, il est incroyable. Il est parfait. Parce qu'il y avait l'époque où il avait plus de PV, il était plus dur à mettre KO. Et moi, justement, je regrette un peu cette époque, mais en vrai de vrai, quand je vois le scénario des games aujourd'hui. Alors après, Wild Journal, j'ai quand même eu pas mal de games un peu flippés et tout à cause de ça, mais. Il y a eu pas mal de flippants. Et les flips, c'est pas Après, vrai. est-ce qu'ils vont changer là cette année? Ils vont changer Rayquaza complètement ou t'as une idée? Bah, est-ce qu'ils vont. Tu veux dire pour la saison prochaine ou. Ouais. Ouais, il y a un monde où effectivement. Il y a un monde effectivement où il faut une map par saison. Hein. On a eu les PECS 2022 sur la carte les stades d'outre-mer avec Elector. On a eu la saison 2023 sur les ruines célestes de Teia avec Rayquaza. On n'est pas à l'abri que 2024, ils nous sortent une nouvelle carte genre en septembre-octobre. Avec ben, un nouveau mob, nouvelle carte, et que la nouvelle saison se passe sur une autre carte, et que ben, on peut imaginer que chaque saison de PECS se déroule sur une carte différente. Et c'est peut-être Ouais. grave cool parce qu'on l'a vu, Rayquaza, par rapport à Elector, le changement, on a vu d'énormes changements même dans la méta, où un Pokémon par exemple comme Oupa est passé de S tier à D tier, littéralement Ah sur oui. la nouvelle map quoi. Donc. Non, on verra. Est-ce qu'on Hein. avait Hâte de leak une voir la nouvelle suite. map? Après, les nouvelles maps, faut se méfier parce qu'il y a souvent les nouvelles maps. Il y a les maps, vous savez, bah, là, le mode Tower Defense qui arrive, les maps un peu de Pergélivide et tout. Enfin voilà, les nouvelles maps, ça peut être des maps genre pour des events secondaires et tout, et pas forcément des maps ranked. Donc, faut se méfier de ça. Faut se méfier de ça. Mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait une nouvelle carte ça m'étonnerait qu'on reste 5 ans sur les ruines célestes de Teia, quoi, pour le coup. Il y aura forcément une nouvelle map. Ouais, ça fait un peu de changement, c'est du bien, ça fait du bien. C'était Master saison 1, j'ai arrêté à cause des lecteurs, j'ai repris le jeu hier, je kiffe, j'ai fait nuit blanche, je suis déjà quasiment master. Bah let's go hein. C'est ça mais. Ça c'est. Et ce que t'as dit Bludéo, let's go, et c'est ce que littéralement disent tous les gens qui reprennent le jeu, hein. Qui avaient arrêté à cause des lecteurs, ils reprennent aujourd'hui, ils sont en mode waouh. C'est vrai que le jeu est mieux qu'avant quand même. Le changement. C'est ça. Et Eugenia. Après en solo queue, si tu gagnes le Rayquaza, tu win. Mais pas toujours, hein. Enfin quand même, mais je veux dire, il faut quand même l'amener le Rayquaza, souvent il y a du teamfight et tout. Non, ça dépend. Sauf si tu comptes une trio Q qui joue du Ralugon et qui flippe Rayquaza, mais ça dépend, comme dit Xenius. Hein. Après, le but c'est quand même que quand tu prends Rayquaza, tu puisses gagner la game ou au moins la retourner quoi. Enfin, je veux dire, si t'es devant, que tu prends Rayquaza, normalement forcément que tu gagnes la game parce que le seul moyen de combat que l'équipe adverse est perdue. Et je veux Ouais. dire, faut bien que l'équipe adverse puisse comeback quoi. Si tu vas pas jouer 8 minutes et au bout de 5 minutes te dire bon bah la game est ingagnable. Dans Unite, tout est toujours gagnable. Je l'ai appris à mes dépens. Jamais sur end. Ça, c'est grâce à Rayquaza. Flipit. Plus Flip et facile de se voilà. mettre Elector. Plus facile de se mettre Elector que Rayquaza. Bah ouais, parce que notamment Ultra Laser de Dracolosse, t'as pas la portée qu'Ultra Laser pour toucher le Rayquaza quand t'es en haut du pit. Donc si tu veux se mettre avec Ultra Laser Dracolosse le Rayquaza, t'es obligé d'être en bas du pit. Et en fait, ça restreint vachement ton positionnement. Et tu peux facilement te faire punir par les adversaires et te faire burst quoi. Je trouve. Je trouve. Gradu aussi a pris un peu cher avec la map. Ouais, effectivement, ben tous les anciens, hein, tous les anciens Pokémon, en plus avec le power creep et tout, c'est une dinguerie. Bah, finissons ce tu préfères, mon bon Forwards, avec une dernière question, bien sûr. Forwards, tu préfères gagner les Regionals mais en ligne, full online, ou alors gagner le Host Cup sur stage? Sur scène. Moi, je suis plus un fan de stage.
quand il est direct sur la scène. Ok, donc tu sacrifies le cash prize plus important et les championship points pour la victoire sur Ouais, scène. ouais. Ouais, exactement. D'ailleurs, c'est quoi votre avis, vous, le chat aussi? Parce que, bon, là, du coup, il n'y a pas forcément le débat parce que c'est la même équipe qui a gagné la House Cup et les Regionals en Europe, à savoir Tally Bobo Believers. Mais j'étais en mode, quelle victoire a le plus de prestige? Parce qu'en vrai, les Regionals, c'est le plus important, c'est ce qui qualifie au Worlds, c'est les 20 000 balles de cash prize, c'est les Championship Points. Mais, la hype était quand même pas pareille, la House Cup, quoi. En vrai de vrai. T'as le bon stress aussi, hein. Pas mal de stress, hein, sur scène, hein. Ouais, ça, faut le C'est gérer ouf. aussi. Hein. Faut le gérer, effectivement, ce stress, la pression. Effectivement, je pense que t'as même plus de pression en tant que joueur quand tu joues sur stage, même s'il y a moins de. Même s'il y a moins de cash prize et d'enjeux, plus de, je pense, cette pression aussi d'avoir tes adversaires en face de toi, etc. Que si tu perds, t'es pas chez toi, Ouais. tu peux juste quitter Discord, tu restes sur le stage et tout, machin. Y a pas de solution de facilité, quoi. Il y a le public derrière aussi. Non, il y a de Plus l'ambiance. important. Après, quand on dit Yaya, win les deux, hein. T'as les bobos, ils se sont dit pourquoi choisir quand on peut gagner les deux? Go faire ça aussi, hein. Sur scène, sur scène, sur scène. Je préférais gagner on stage mais perdre online. Ouais, c'est ça. Je préférais jouer chez moi à cause de la pression du stage, mais l'ambiance, c'est cool. Ah, bah, c'est sûr que jouer chez soi, c'est plus confortable. Après, il y avait des bons setups sur stage quand même. Hein. Parce qu'il y a une question sur de l'e-sport PC. Sur stage, généralement, t'as pas tes périphériques, t'as pas ton siège, t'as pas les mêmes réglages et tout, donc c'est un setup LAN différent. Sur Switch, c'est ta manette, c'est ta console, c'est juste un écran qui change. T'es quasiment comme à la maison, quoi. Donc en plus, les sièges sur la scène, ils étaient incroyables. Mais vraiment, j'ai jamais eu des sièges gaming comme ça, c'était vraiment. Les sièges étaient. Oh, elle était trop mal. Vraiment, je me suis assis, j'étais en mode. Waouh, trop bien les sièges. C'était Donc ouais, confort. c'est ça. Même le joueur mobile, bah en fait le joueur mobile c'est tu jouais avec ton téléphone quoi, donc il n'y a pas de sauf au Worlds d'ailleurs, où par contre où ils avaient interdit les téléphones perso. Ah ouais? Donc ça c'est. Ouais ils avaient C'est fourni bizarre. des iPhones. Ils avaient fourni des iPhone 10 je crois. Et les joueurs devaient jouer sur iPhone 10 obligatoirement. Ou 10 ou 11, on sait plus un des deux. Mais ouais. Mais Klaus par exemple, je me rappelle, qui était joueur apprentice Unleashed à l'époque, avait dit qu'il préférait jouer sur l'iPhone qu'il lui avait donné que son téléphone perso. Genre, franchement, il a passé je sais pas combien de minutes slash heures à s'entraîner sur le nouveau téléphone. Il a dit ouais, c'était même mieux. Mais c'est compliqué quand tu joues toute la saison sur un téléphone. On te dit vas-y, change de téléphone. Bah, c'est pas la même résolution d'écran. C'est pas la même dimension aussi parfois. Enfin, c'est compliqué quoi. Pas la même chose. Rien à voir, ouais. C'est ça, il est pas plus ou moins large. T'as pas la même préhension. Enfin, c'est. C'était un petit malus pour les joueurs mobiles, quoi, je trouvais. Suis super timide. Ah, c'est sûr que si t'es timide, le stage, faut y aller, quoi. Après, bon, moi je dis Toon y aller. Hein. Si Toon est monté sur le stage, tout le monde peut le faire. C'est parti. Hein. Mais ouais, non, mais. Ok, donc, team sur scène, le chat aussi. Je pensais qu'il y avait peut-être des gens qui étaient en mode, vas-y, je prends la thune et le championship points, on est rationnel. Mais vas-y, vous êtes full stage. Ouais. J'avoue que si j'avais le choix d'entre gagner un des deux, j'avoue que les House Cup. Juste pour avoir le petit plan de caméra de toi qui soulève ton trophée avec les confettis. Oh oui. Pas mal. Petite photo souvenir. J'avoue, c'est pas mal. Bon, forward, ce que je te propose, c'est que je vais te partager mon écran. Et qu'on va revenir ensemble sur l'un des moments marquants de l'histoire plus Keepers. Puisque j'aimerais qu'on revienne sur le tout premier match de l'histoire de Plush Keepers. Et ce match, ben tu en faisais partie. Tu es là, tu es en haut. Le tout premier match de l'Alliance Plush Keepers. Vous voyez la VOD qui est disponible d'ailleurs sur ma chaîne de Rediff, point d'exclamation VOD. Ah bah, Stream Elements vient de mettre le. Incroyable, le timing de Stream Elements qui vient de mettre le lien de ma chaîne de VOD maintenant. Donc voilà, c'est ma chaîne Pump Rediff Twitch. Et voilà, on est vraiment annonce projet. Voilà, c'est l'annonce de Plush Keepers. C'est le trône 1 du winner bracket de la weekly. De la première weekly et tout. Là, on est vraiment sur le premier match. Et tu en as fait partie, mon bon forward. Tu t'en souvenais de ça ou. Ouais, je m'en souviens, contre Gigachad. C'est ça, c'était en plus un gros match. Parce que le seeding. Le seeding avait un peu raté. Avait fait en sorte qu'on tombe contre Gigachad Gaming. Je crois qu'ils sortaient de leur top 4 à ce moment-là, hein, des finales de Ouais, ils ont main. fait une bonne perf. Ouais, c'est ça, c'est au moins top 4 avec Indigo, Toby, Notdodo, Laurat et Solony. Les mecs étaient giga chauds et nous, on était là en mode premier match de l'histoire de Plush Keepers contre Gigachad Gaming. Allons-y, hein. Allons-y, hein. Allons-y. Par contre, j'entends une petite musique derrière. Je sais pas si
te rencontrer. Mais... Ah oui, c'est normal, je peux l'enlever, je peux l'enlever. Ah ça te dérangeait ou... Ouais, non, c'était trop fort. Sur ton son, après, je Ah. t'en ai mis. Ah oui, ok, parce que oui, je vois, parce que moi j'ai baissé le son, mais toi c'était... Attends, du coup on va faire ça de toute façon. De toute façon, bon, je vais faire... De toute façon, je vais mute... Attends, je vais faire... Attends, je sais, je sais. Je sais. I know. Tac, 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 tac. Voilà. Et là, non, on t'a pas le son. Parfait. Parfait. De toute façon, c'est ce que j'ai dit, j'ai pas mettre le son du casque, il y a moi qui casse par-dessus, on s'en fout de moi qui casse par-dessus. Toon, c'est un fake timide. Hein. C'est un semi-ça, c'est semi-ça, ouais. C'est un personnage, dira-t-on. C'est un personnage. Moi, je prends la thune. Audion prend la thune. Il a raison. Après, c'est vrai qu'entre le Leos Cup et les Regionals, j'ai quand même 10 000 balles de. Quand même 10 000 dollars de cash prize en plus, quoi. Donc, 2 000 dollars par joueur en plus, quoi. Donc, ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, quoi. Est-ce que tu sacrifies 2 000 balles pour une victoire sur le Leos Cup? Ça peut se réfléchir, je l'entends. Premier match de l'histoire plus Keepers, on l'avait dit, gros match en jeu, Giga Chat Gaming en face. Et c'était pas la première fois que tu se mets pour nous, non? Je crois. C'était la première fois peut-être. Pour ouais, t'avais pas sub of Metagaming avant parce que c'était un premier match en Non, plus non. Keepers, donc si t'avais sub avant, c'était of Metagaming. Ouais, donc ouais, en plus, c'est le projet vient Dis-moi. d'être annoncé, il y a la hype du projet qui vient d'être là, et toi t'arrives en mode bah je sub ce projet, je joue le premier match de l'histoire de l'équipe. T'avais une petite pression à ce moment-là, en plus de sub la Ah première fois oui. l'équipe. C'était pas parfait sur mes supports à ce moment-là. Donc la pression était d'autant plus présente. Ok, donc ouais, grosse pression quand même sur ses petites épaules. Bon, c'était, j'allais dire First Pick Draft, non, on avait ça risqué de prendre le Flagados. On est encore à l'époque où Noctali est ban, Philalie n'est pas encore sorti, Yal, tous les bans de Nigozier, de Givral Salactite, etc. compagnie, c'est encore cette méta-là. Ah merde, j'ai mis ma cam en petit, non. Non, je veux pas de pump, non. Attends, je me recache. Je recache le pump de l'époque. Oh non. Attention, ça va trigger là. Non, mais là, ça va trigger là. Là, ça va trigger là. Et ça va trigger sinon. Ça va trigger. Ok, donc là, ça part. Bon, du côté de la draft. Au niveau de la draft, toi, déjà, que ce soit à cette époque-là ou aujourd'hui avec le Keepers, est-ce que t'as. Comment tu fonctionnes ton draft? Tu donnes tes idées, tu laisses faire Je donne une idée sur ce qu'on prend et après, enfin moi qui ai le dernier mot, hein, étant donné que j'ai pas trop de connaissances en draft que ça, mais j'ai mes idées et puis des fois ça passe, des fois ça casse et voilà. Ouais, tu donnes les idées quand même, quoi. Tu donnes Ouais, les idées quand même. il faut. Avec une préférence ici pour. Ou pas, on rappelle ton main c'est Blancoton, mais c'est quoi tes autres spécialités en support par Bah ou Blancoton? pas, ça l'est maintenant. Il faut savoir qu'à ce moment-là, bah vraiment pas ouf, pas. Sinon j'ai quoi? J'ai Melodelph. Melodelph ou pas, Blancoton. Ça fait déjà un Hop. beau trio. Bon trio de Ah, support. pas mal. Me suis mis mon légende bientôt, OMG. Ah monsieur, il me fini. Oh, il me suit même là, exceptionnel. Oh, ça me trigger, il y a l'ancien pump des fois qui fait des apparitions. Ça me trigger. Bon, là on a. Ah oui, il y a un dragon qui est dans sa mode, dragon qu'on embrasse, qui est dans sa furie, carca-croc, pardon, excusez-moi, hein, pour être précis. On a encore bien sûr le Gulab qui était au top avec les Zoroark de trio qu'on veut aller chercher. Et cette composition où, là avec ton Oupa, tu vas avoir un Dodrio, un Karchakro qui vont être ultra agressifs. Et il va falloir que tu. Bah, en fait, t'as une belle pression parce que si tu rates un portail, ça veut dire que le Karchakro tombe KO potentiellement, le Dodrio aussi. Donc là, il va falloir faire un travail de Oupa agressif. C'est ça que tu te dis dans ta tête, dans cette draft, ton rôle? Ouais, bah, surtout le big problème, je crois, c'était le Zoroark en face. Hein. J'en souviens, c'était vraiment un gros problème, mais ouais, fallait que je fasse gaffe à mes Le bon placements. rôle. C'est ça, parce que Oupa est faible à Zoroark, hein. T'as que ta Unite pour essayer de t'en sortir, et encore, t'as vraiment pas envie de mettre ta Unite pour esquiver un Zoroark, quoi. C'est Ah ouais, quand le vraiment pas Zoroark il est sur envie. toi, c'est dur. Hein. Zoroark, c'est toujours un problème, c'est ça. Mais il y a des supports qui résistent plus ou moins, mais c'est vrai que, ouais, Zoroark, quand tu joues Blancoton ou pas, c'est pas beaucoup de counterplay, quoi. Pas beaucoup de counterplay. Si ça joue Tranche Nuit avec le Blancoton Sport Coton, ça peut le faire, mais là, c'est avec feinte FF, hein. Bah, sur un petit peu la cette game 1. Tac. Oh, big option gaming là.
Vas-y. Et c'était encore l'époque où j'avais pas dézoomé la cam pour le cast. Ça, je m'étais mis. Ça c'est de mes erreurs. J'avoue que le côté dézoomé pour le cast, j'aime bien en vrai. J'ai pas vu le chat, mais. Merde, il y a une pause. Pause. Ma pause. Ah, déjà, donc là, comment tu gères les pauses? T'avais une grosse pression et tout. Est-ce que la pause, ça te fait encore plus stresser ou ça te permet Ah oui. Ça fait reculer le stress. Et ça, il est encore plus présent. Ah oui, Les c'est encore pauses. plus de stress, quoi. Ouais. Trop chiant. Il faut Surtout que tu remake fais et le tout. premier match. Ah, ça, c'est la pression, tu te mens, tu vas en mode, allez, on y va, c'est parti. Et là, bam, faux départ. Faut se reconcentrer, faut se remettre dedans. Et puis en Et ouais. face, on n'est pas contre des nuls, hein. Ouais, en face, c'est le round 1 de la weekly, mais c'est Giga Chat Gaming, quoi. Donc, on rappelle qu'ils sortaient. Mais je crois qu'ils venaient de faire leur top 4. Ça se peut, Je pense donc. que... Ils étaient pas loin, en tout cas. Top 5-6 au moins. Là, elle a une Ronflex Mew. Bon, là, faut juste taper le Ronflex. C'est ce qu'on Ouais, c'est fait vite costaud fait. quand même. Ah, j'ai dézoomé. Ah, c'est Ah. vrai que le dézoom, c'est pas mal quand même. Hein. Non, j'avoue, je me suis trompé. J'ai voulu forcer avec la caméra zoomée, mais. Mieux J'avoue, j'ai coaching, fait. ouais, du taf. Ouais, mieux coaching, mais il faut juste te poker. Toi, en tous les cas, avec ton Grignote sur la voie du haut. Le but, bah, essayer de spot les mobs avec ton ou pas, tu mets une belle pression. Le Grignote aussi. Il y a Funicir, Melo fait, on peut pas trop stacker. Là, il faut juste mettre de la pression et Ouais, prendre pour les mobs. l'instant, Hein. ça va. Enfin, surtout pour le Kersha, il lui faut tous les mobs, absolument. C'est ça. Pour Avec son Koupa, 5 au plus. il y a la sécurisation quand même, hein. Ça se travaille, les smites ou pas, mais Ouais. avec tout le monde, on est pas Ouais, c'est mal. sûr, on a l'avance. Bon, bah, ils prennent tous les mobs, ok. Bah ouais, là, on est botlane gaming, hein, de toute façon. Botlane gaming, je vois qu'au top, il y a le Zoroark de Dreo, ça s'est trade tranquillement, personne ne tombe KO, je le Grignote bid HP. Là, je te vois encore sur la lane, il y a petit Zoroark Philodelphe en face de toi, pas trop peur, là, j'ai... Ouais, non, c'est compliqué. Ah, ça tient Ouais, lane Ifi, sub. invade. Ouais, Sur Ishin le Veil là. en plus. Sur le Funicier, la raison, ça va forcer le retour du Zoroark. Pendant son dragon, lui va prendre la jungle et toi, tu vas tenir la lane. Ishin va tomber à ce moment-là. Non, botlane, ça va, ça tient. Ouais, c'est ça. Là, on ramène personne de la botlane sur la top. Avec un Melodelph. Pas de Le pression, pas zéro. besoin. Ça tient. Vis à Et 8 toi, sur ce. minutes. Dans ce moment-là, ton rôle, c'est. Est-ce qu'il y a un rôle aussi de prendre de la pression, de la place sur la carte, en plus de juste défendre ta Voilà. tour? Ouais. Là, surtout les portails sont très importants. C'est ça, les portails entre les deux tours. C'est bien. Tu vas téléporter. Là, je crois Commence à que t'as compliquer été. là le zéro. Ah, le Le portail zéro, est il nous a fait bon. un boulot. C'est ça, mais tu restes en vie, tu te fais pas avoir par le tacle lourd du Ronflex. Il y a les petits, lance-soleil. On va rester tranquillement. Ça y est un peu aggro, mais vas-y, c'est pas puni. Là, ça a accéléré en bas. Et Shiki qui essaie de prendre un kill sur l'enflex. On sent le Karmage qui fait le dragon qui fait tomber le Lugulab. Ça, c'est Big, il va pouvoir se mettre trop trop bien. Oh, Faire même trop très trop bien même. attention aux... Et merci Token pour le sub, bien sûr. Chapeau, chapeau. En haut, il est free, hein. Vraiment, il est plus speed de max. C'est ça. Et là, on va être 4v5 parce qu'on se doute que le Lugulab va arriver. On ramène Ouais. pas. Tu ne ramènes pas Dragon avec le portail. On Voilà, a c'est un décidé de faire save. le jeu top. Donc là, C'est faut ça. juste tempo et essayer de le smite. Et là, ouais, Compliqué. Zoroark. Hein. Ça, on disait Ah. Zoroark. Trop trop fort, Zoroark. On vient de le voir. Il arrive sur toi. Il y avait plus le port... Il arrive sur toi dès qu'il n'y avait plus le portail. Et Stonks, même s'il a. Oh, attends, c'est moi, Volto, il arrive là. il a dash dans le Registeal, le Zoroark là. Ah oui, c'est vraiment. Il s'est Oh. pris Registeal plus Avalanche de Volto. Il a dépop le Zoroark. La Hop pression. là! Il a pris Registeal plus Volto. Ah oh ouais, il sort son HP. Bon, du coup, ils ont eu le Registeal. Mais Forcément, en haut, Registeal. oh, normalement, Dragon, il va mettre sec. T'as 4v5, là on voit que t'as anti, ça prend les possibles. Ouah, t'as pris des dingues encore là, je me permets de. Bon, Ah c'est ta non, j'ai première pris game cher. sub, une de tes premières games compétitives, hein, donc là. Ah, j'ai vraiment trop J'avoue. cher dans cette game, j'en souviens. Ah, le possessif là, possessif, tacle lourd surf, allez. Hein. Ah ouais, c'est pas une équipe du top européen pour rien. Hein. Là, c'est prêt. Hein. Essayer de De prendre celle, Kaisa. non, ils vont marquer 30. Mais c'est bien de voir un petit peu là, toi, tes premiers matchs compétitifs avec full enjeu et tout. Et d'en voir après tes perfs que t'as pu faire dans les autres weekly. Notamment celle que t'as gagné avec Smart Boy et pas avec le Keepers, du coup.
Ah ouais. Ah, là, dans cette game, je crois que c'était là où il y avait l'une des, plus... des games où il y avait plus de pression. GigaChad en plus, on connaît le passé, je crois que c'était à l'époque qu'ils avaient sorti Off Metagaming, je crois. Du coup, Oui, y avait un sentiment de revanche. oui, il y avait un passif. Non, mais Ah, je il y veux dire, avait le un sentiment. spotting était fou avec toi qui arrivais, t'étais sur le premier match. GigaChad Gaming qui nous avait sorti sur les finales de mai. On avait joué la game, c'était le BO décisif, game 3 entre eux et nous pour savoir qui était qualifié, c'était eux qui s'étaient qualifiés. Pareil, à l'Eos Cup sur stage, bah, ils nous avaient battu, c'est qu'ils nous avaient sorti du loser bracket à l'Eos Cup quand je jouais. Donc, ouais, non, il y avait un gros passif avec GigaChad Gaming pour le coup dans ce match. Il fallait prendre nos revanches. C'est ça. On verra le résultat de l'avenir, bien sûr. C'est toujours un problème, hein, Zoroark, les amis. Hein. Ouais, trois Zoroark. bots. Ils vont tenter un score top. Le Shisport. Oh là là, Sont le langage 2v1 contre encore. le Zoroark. La langage. Une belle hantise quand même pour passer dans le portail. Fallait pas paniquer la hantise, passer autolock. Mais là, bon, ouais, pas de Ah défense non. recyclée ou pas. Tchouk. Ouais, la Toby, bien Il sûr. Le cancel en Roflex. plus. C'est ça. La force de Roflex tacle lourd, les amis, face à ou pas, c'est que vous pouvez cancel les bugs. C'est dur à faire, mais. Ce genre de timing, ça peut offrir un KO. Pareil, Plus petit tu l'as mis en barrage. plus. C'est ça, le Bien joué. barrage pour empêcher d'aller dans la. Dans le, de bar, dans le barrage pour empêcher d'aller dans le. Dans la zone. Chiche. Encore un petit portail. Les petits dégâts du Ah. portail, bien sûr, hein, toujours important. Est-ce que t'es un adepte des portails agressifs en mode je fais des dégâts, toi? Comme Chopper qui finit à 84 dégâts avec ses Wooppa à la fin des games ou. Ça dépend la game. Oui, Ah! s'il y a un kill à faire, le mec en face, il n'a plus trop de vie. Oui, je vais aller le focus pour essayer de tuer le portail. Ah, donc, quand Faut même. couper. Quand même des volontés où des fois ça y va, quoi. Oui. Faut se Voilà. lâcher, mais après, faut faire attention derrière si qu'un des mates saute. Voilà, ça burst, je vous le tout prend pas le TP. Je sais pas si parce qu'il a pris un TP avant ou s'il veut défendre bot. Ouais, elle l'a pas pris, là. Ouais, je sais pas si c'est juste qu'il a pas le cooldown ou je pense qu'il veut juste défendre bot. Ah, pour un TP, tout le monde aurait déjà les keys. Kill. Qu'ils n'ont pas défendu. Volto est resté bot pour défendre. Portail Ah, dans les abeilles. le travail du Ronflex, très très Ah grosse ouais. game. Ah, c'est mieux qui s'en sort. Oh, c'est mieux qui s'en sort. FF. Petit conseil d'ailleurs pour ceux qui prennent les portails de ou pas. Conseil que moi-même j'applique pas tellement, il faut que je fasse. N'oubliez pas avant de recall le portail de checker avec votre minimap les environs. Regardez si c'est safe de, avant de rappeler ou pas. Enfin, de rappeler ou pas en deux mots. Mais de vous rappeler dans le portail de ou pas, attendez de voir. Parce que souvent l'erreur que vous pouvez faire c'est que bah tu vas dans le portail ou pas et tu sans réfléchir tu fais le recall et en fait les adversaires ils t'attendent et ils te punissent quoi. Donc il faut juste voir si t'as la vision. Est-ce On qu'ils fait sont pris ou attention. pas? C'est ça, faire attention. Parce que ouais c'est des. Parce que, ou pas, on rappelle qu'il y a l'animation, quand un joueur revient du portail ou pas, le portail, le cercle jaune s'active et l'adversaire a l'information que le mec va revenir. Donc et s'il a vu le début, il sait exactement à quel moment ton perso va apparaître quoi. Donc faut vraiment se méfier de ça quoi. Ouais, C'est des grosses c'est à infos double données. tranchant. C'est ça. C'est à double tranchant. Allez, Shiki tente un score top. Ça passe. Ça passe jusqu'à ce que le Zoroark fasse la police. Là, Ouais, ouh ça. là. En fait, ça a plus de tacle lourd. C'est vrai que tu peux aussi, là, en tant que tout ou pas, tu peux aussi traquer le moment où le Ronflex n'a plus de tacle lourd pour mettre tes portails. Enfin, il y a. Ouais. Ça. Du coup, là, voilà, voilà ce qui se passe sinon. Ah non, ça, c'est chiant. Ah, l'aide! Laissez-moi jouer! Horrible. Je crois si peu de ou pas en solo queue, c'est pas facile de traîner ce genre de move. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu penses toi de. Alors, on en reparlera peut-être à la fin de cette game, soit c'est les Rayquaza, mais on va reparler de ou pas solo queue. Hein. On va reparler, on va reparler. Mais là, focus sur le late game. Le style du Flagado, c'est d'aller choper ce Zoroark. Ouais, est-ce que toi t'as un but, tu te dis est-ce que je peux tenter des TP sous des tours, est-ce que faut mettre un TP défensif pour sauver un Là, mec? faut regarder la vie au moment du Rayquaza, la vie des mates. Et vraiment pas prendre de risques. Bon, là, j'étais pas vraiment caché, mais toujours rester derrière la front lane. Et La voilà, vie je des prenais un coucou. peu trop de risques. Hein. La vie des coucou équipiers, vous avez l'info en haut de l'écran. Et comme ça, s'ils sont pas en point de vie, vous pouvez mettre un téléporteur et vous permettre de les sauver. Là, le Zoroark, pardon, qui arrive dans l'arrière. Tu te fais pas burst? Petite hantise là pour tenter de bump le Zoroark Ah, au c'était passage. compliqué en 0. En vrai, Même tu si vois, c'était mon vivant. premier Hein. game.
C'est mes premières games sur OPA en plus, donc un Zoro comme ça qui est agressif, c'est dur. T'as ton disengage, tu gardes bien ton TP. Ouais, il avait plus de vie. Ah, dommage. Ça t'entise portail, ça tombe tout. Là, tu vois. Là, il faut le faire tomber. C'est ça. Puis le travail du milieu derrière. Ah. C'est dur. On est devant, on est toujours devant à 50 secondes. Hein. À quoi ça avec Oupa, si le centre du portail de Oupa est dans le buisson, l'équipe adverse ne voit pas le portail. C'est vrai. Ouais. Si le portail dans le buisson, l'équipe adverse ne peut pas le voir. À moins qu'elle soit dans le buisson elle aussi, mais. Bon, la Volto qui est en flingue depuis tout à l'heure, il me demandait à quel moment va-t-il se faire avoir. L'Aurat qui anticipe le dash du Karchakrok et qui met sa Unite. Mette à 1000 portail, on fait tomber le Zoroark, et là 27 secondes. Ils sont 3 en là... face, le stun sur le Lugia avant. Elle est accélérée. Flag Adapsico. La furie dimensionnelle à la fin du Flag Adapsico et pas pendant. C'est toujours mieux. Un petit mieux derrière. Là. Le quadra. Oh le sang. Non là c'est pour. Il cherche pas le quadra là le chat, il va juste défendre. Hein. Ah ouais là faut juste défendre. Ça, on met TP, la bot. C'est ça. T'as un mode de taille, il y a le ronflex, faut pas qu'il ouais. aille. Ça y va et tout. Et voilà, première victoire, 1-0. 0 pour Plush Keepers. Bon, super. C'est ça, 1-0 pour PK. Hein. 1-0 pour PK. Hein. Et ouais, c'est, on parlait de ce Oupa solo queue, mais c'est vrai que c'est dur de travailler les mécaniques de Oupa parce qu'il y a peu de Oupa en solo queue. Et je peux même pas si toi tu joues Oupa en solo queue. Moi je le joue, mais le plus dur c'est les alliances. Quand ils le prennent pas et ils veulent continuer la fight, ils meurent. Parce qu'ils n'ont plus de vie. Donc. Bien joué avec ton tag in-game, c'était le haut normal et pas le 0. Ton pseudo c'est bien juste avec un haut normal du coup, pas un 0. Ouais, c'est un haut normal, ouais. C'est juste que le 0 parce que c'était déjà pris, ouais, je vois. Ouais, c'était et d'ailleurs, on dit bien forwards et pas forwards. C'est forwards, ouais. Parce que littéralement 100% des gens disent forwards. Ah oui, non, mais c'est trop chiant. Il rajoute le R là. Ah, mais bon, je me suis habitué. Voilà, on est d'accord, c'est forwards. Exact. Voilà. Mais je me suis habitué depuis. On a accepté. On a accepté. Hein. Forwards. Parce que c'est plus dur forwards. Non, mais je suis d'accord, mais moi, quand tu parles vite, tu dis forwards. Parce que le forwards. Ouais, tu vois, le ads, il est dur à dire, tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Yo, Koti. Yo, Vince. Ouais, deuxième game. Ban Chifour, c'est ban après. On voulait vraiment pas qu'il le pique. Hein. Tu l'as pas. C'est first pick, après Flaga. Ouais, logique. Exactement. En vrai, la draft, vu que c'est des drafts un peu anciennes, il n'y a pas trop à analyser là-dessus. Je vais passer rapidement sur les drafts. Ça prend du ou pas Zoroark. Comme le Delph, rapidement pris parce que je pense qu'ils ont vu du Zoroark. Sur la question de prendre des supports très tôt alors que le support adverse est déjà pris, ça offre un peu de flexibilité pour la fin de draft, on va dire. Même si en face ils ont déjà un support et qu'ils vont pas prendre le Melodelph, on peut jouer en réaction de ce que l'équipe adverse va pick quoi. C'est ça le but. En plus, on joue double tank en plus. C'est. Double tank en Shinobi. Ouais, là la compo. Ouais, j'avoue. Là la compo, si on gagne la game, bien joué à nous. Hein. Bien joué à nous si on gagne la game. Hein. En Shinobi en plus. Oh ouais. Hein. Est-ce qu'on a envie d'analyser cette game là? Trafic, il se fait plaisir d'avoir l'Amphinobi. Ah, pause. C'est bon, ça relance. T'as juste envie de revoir le résultat de cette game là. Ah, c'est ce qui me semblait. Hein. Ah ouais. Je pense qu'on va analyser la game 3 direct parce que. Là... Ah ouais. Oh flûte. Oh non. Flûte alors. Oh flûte, ça n'a pas marché. Bizarrement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. 87 000 de heal quand même avec le Oupa. Hein. On est là, hein. Ouais, il faut. Pas de double tank. Non, ça, manquait de, ça manquait de dégâts. Ah, encore la game 3 décisive face au GigaChat Gaming, notre bête noire. La bête noire GigaChat Gaming qui nous est sortie à l'Eos Cup, qui nous a sorti en make-up, qu'on affronte round 1 de la weekly pour le premier match de l'histoire, Plush Clippers. Pourquoi il y a eu cette draft? Ne posez pas de questions. Vous cherchez toujours des explications rationnelles. Ne posez pas de questions, laissez-vous amener. Ah, et là c'est bien, c'est parce que ce qui me semble aussi, c'est qu'on va pouvoir avoir une partie Blancoton également. Ouais. Donc toi, alors c'est vrai que Blancoton c'est un Pokémon qui a une itemisation qui peut être très variée. Toi, t'es de la team, même build que moi avec le Vitesse Plus et full à rafale, bandeau muscle. Ouais, non, full attaque.
Et le but, c'est de faire bumper les mecs avec Sport Coton. C'est ça, ce qu'on rappelle, c'est fort l'attaque Sport Coton, c'est l'attaque que tu vas jouer ici. Bumper notamment le Zoroark, j'imagine. Exact. Surtout sur le Zoroark, c'est vraiment un beau counter. C'est ça, parce qu'il va aller go in, il va se faire bump pendant ses combos. Il va avoir envie de pleurer en plus de se prendre des bons dégâts, parce que Sport Coton a des dégâts corrects. Puisque les auto-attaques qui vont le ralentir derrière, etc. etc. Et est-ce qu'il y a un monde où toi tu jouerais des items attaque spéciale peut-être? Est-ce que ce monde existe ou t'aimes vraiment ce build hein? Ouais, j'aime vraiment le build après attaque spéciale. C'est si vraiment derrière ça a vraiment besoin de heal. Bon, en soi, là, il fallait juste counter le 0 et c'était win. Bon, j'aimais bien le build que j'aime. Ouais, surtout que là. Avec Bandeau Muscle Full Rafale et le petit buff orange du lance-argot. Là, tu touches un mec avec une auto-attaque, il est cloué au sol. C'est littéralement un Ah marteau, une oui, il bouge vis. plus. La Colpatex, là, c'est fini. Hein. Ne bouge plus. On est là, Bolten va faire son petit travail. Alors, c'est quand même laisser quand même le mob au mentalis, ça, c'est la sauce. Ah, il chie sur mieux d'ailleurs. Et ouais. Aishi est un bon Mew, hein. C'est vrai qu'on le jouait souvent sur Zoroark et Dodrio, mais. Au début, il avait été recruté pour jouer poste mage, hein, le bon Aishi. Bien saoul. Mentaliste, travail du mentaliste. Aishi s'était renamed entre deux games. Oui, c'est vrai que Aishi s'était renamed entre deux games du BO. J'avais oublié ce thing tout. Le PK Aishi qui avait pop entre la game 1 et la game 2, je crois. Légende. Légende du club. Bon, là, le petit gant, le petit red buff. Ah, le petit C'est auto-attaque d'aller sur le choper le Zoroark. Zoro. Ouais, c'est ça. Là, Voilà, ton le but, Zoro. c'est vraiment mettre une auto-attaque sur le Zoroark et après, c'est gagné, quoi. Ouais, pour le Chifour, après il va aller le chercher. Petit KO à la boule pollen, t'arrives pas sous ou pas? Ça met bien. Donc là, ouais, but de la partie. Là, en early, c'est t'as le buff orange, mettre la pression sur le Zoroark. Ensuite, ça va être mettre les sports coton s'il engage. Et derrière, bah, spammer les boules pollen sur ton Maconnière et ton Chifour, hein. Ouais, en full les piles et voilà. Ça C'était s'est bien fait comme passé là. ça. Ça nous donne un avantage. On C'est ça. récupère l'XP. 2 kills aussi. Hop là, reboot pollen sur dragon. 8 minutes, il va y avoir le mid. C'est quand même un des meilleurs gameplays du jeu, en bloc coton, je tiens à dire. J'y repense. Mais ça fait vraiment partie de cette caste de Pokémon qui est pas forcément très populaire. Un Pokémon un peu random, tu vois, bloc coton. Mais pour le coup, du coup, le gameplay est très C'est réussi, je trouve. sous-côté de mon côté. Côté. Trop fort. Ah ouais. En plus, on a le hoop en plus. Voilà. Ça a toujours été, il y a toujours eu toujours des dingueries au-dessus. Il y a toujours eu à l'époque où Monsieur Mew était turbo broken. Après, il y a quand même Oupa qui était quand même extrêmement fort. Il y avait une époque où l'Euphorie était quand même vraiment aussi forte. Et Blancoton, il a toujours été genre le deuxième support, un peu le deuxième, troisième. Tout le monde était d'accord pour dire que c'était vraiment très fort, mais à peine en dessous quoi. Et en fait, ouais, c'est un des seuls supports qui a toujours été régulier dans les tier list, hein. Bon là D'ailleurs, tu apprends c'est la vie de support avec Voltos. j'ai vu que je jouais Cotton Guard et pas Sport Cotton. Ça m'étonne. Je suis étonné car. Ah oui, je joue Coto Garde. J'avoue que Coto Garde sans les items attaque spéciale du coup notamment. Ouais. Moi, je sais pas. Petit misclick, choix. Après que j'irai mentalité, peut-être qu'on veut un peu de heal et de bouclier pour tanker le burst, mais. Ouais, peut-être. Il n'y a jamais eu de gros patch Blancoton. C'est vrai que Blancoton, c'est un de ces Pokémon comme Pikachu qui a très peu eu d'équilibrage dans son histoire, quoi. Donc, histoire. Ah, j'espère qu'ils ne le toucheront pas. J'espère qu'ils feront rien avec. Il est parfait comme. Bah, en vrai, là, il y a tellement d'autres supports qui sont pour moi plus broken que. Moi, je dis, ça passe, hein. Un petit buff. Un petit buff, même. Buff ou plein. Oui, il y a eu des changements quand même. Il n'y en a pas eu zéro, mais. De toute façon, aucun Pokémon n'a pas eu de changement. Celui qui a eu le changement le plus long, je crois, c'est Zeraora. Depuis que Ah Sabinette oui. est passé niveau 9 et il a plus de changement. Ça fait déjà un petit Ah moment. mais ils ont éteint le Pokémon. C'est ça, parce que vraiment, les changements, c'était mettre la lunette niveau 9 et après, encore avant ça, c'était. C'est bien qui a pas été changé depuis longtemps. Il y avait eu Absol avec la Kuskiti qui était une dinguerie. Mais ça a C'est pas vrai, été Absol, beaucoup on en changé. a plus beaucoup, Absol. Plus trop. Est-ce que le lance-roi a déjà eu des changements? J'avoue ça. Hein.
Parce que le lancement a déjà été. Pas mal ça. Bonne question. Bonne question. Est-ce que Lensaurien a déjà été patché? Oui, sur Antise. Ah oui, il y avait une histoire quand même. Si, ça me dit un truc sur Antise. Oui, on se fait arracher top là. Avec le ou pas, il nous met beaucoup de mal. Bah, mais Podocus, du coup. Mais non, mais même Podocus a été patch, non? Il me semble. Voilà, oh. Bah, ouais, l'arrachement top, on se heal. Je sais plus. Podocus, ouais. Volto qui stack au boss, il me sort. Mais Zeraora, oui, ça fait vraiment un an par contre. Zeraora, c'est vraiment triste quand même. Hein. Pour l'avoir bien rejoint en Rocket en ce moment, c'est vraiment triste le perso. C'est très drôle, j'aime beaucoup le gameplay, mais ah, c'est triste. Hein. Ah non. Trop triste pour lui. Ils l'ont hit. Hein. Ouais. J'espère qu'il reviendra. Alors là, le style d'Alex Kidd au passage, pas compris. Ouais. Pas compris comment Alex Kidd avec Gibraliz, Zoroark, Mentali a réussi à avoir son Registeel. En plus, il unite le Zoro derrière. Ça, hop, Zoro, c'est gros qui met son explosion nocturne. Hop, le flag à psycho. Il meurt. Et le petit bump qui était. Bah, pas de bump, du coup, mais la coteau garde était là. No bump. On prend des très bons kills. On récupère l'XP. Hein. Le KO. Bah là, on vole le golem, on prend Ace. C'est le tournant de la game. Hein. Ouais. Allez, même pump du passé, n'en revient pas. Il est bouche bée devant ce genre de situation. Il est choqué. C'est ça. Quand Zeraora va passer Unite, t'inquiète pas, ils vont bien le buff. Oui, après, c'est la théorie de il buff quand il y a le pass, ça. Je rappelle que si Zayox a eu un battle pass. Le battle pass actuel, c'est si Zayox. Hein. Est-ce que si Zayox a été buff? Oui, il a été buff, pumped. Eh. Avec le nom de Pokémon Estiaire, allez pas me dire que si Zayox a été buff et qu'il est bien. Hein. RC14, j'en parle pas. Donc, tu vois, en vrai, la théorie, elle est semi-validée, quoi. Après, c'est sûr que pour le festival d'évolution. Les évolis, voilà, mais. Ça, c'est j'essaye un push bot. Oh, le Zoro. Avant de dire la game, ça, le truc c'est sur les évolis, je pense qu'ils ont fait. Ça aurait été bizarre de faire un event évoli et que les évolis soient nuls. Donc là, ils ont fait exprès, je pense, de faire le truc broken. Mais les évolis de base, c'est trop bien en fait. Juste le fait d'évoluer niveau 4 et d'avoir la lunette niveau 8, juste ça, c'est trop fort. À partir de là. Ah oui, non, c'est trop fort au niveau 8, la lunette. Ça retourne une game complète dans les premiers objectifs. C'est juste que c'est des incompétents qui savent pas buff ni nerf. Non, en vrai, on peut pas dire ça. En vrai, de vrai, je veux pas faire l'avocat de Team Studio à 100% parce qu'ils ont fait quand même des dingueries. Mais sur l'équilibrage, en vrai, les gars, il y a quand même eu des belles méta. En vrai, de vrai. Hein. Quand je vois l'équilibrage, moi, les gars, encore une fois, moi, je compare à Overwatch. Franchement, quand je vois l'Overwatch, l'équilibrage d'Overwatch et celui du Knight, en vrai, les gars, on est pas mal. Hein. Franchement, on est pas mal. Hein. Ça va, à part Zacian, on sait pas ce qui branle, mais. Mais franchement, ça va en vrai. À part en solo queue. Non, après, ça va, mais en 5 stack. Après, en solo queue, envie de crever, mais. En fait, mais après, c'est pas le problème d'équilibrage. Pour moi, la solo queue, faut juste la draft, quoi. Il faut juste la draft parce que, en fait, le problème est insolvable. C'est pas un problème d'équilibrage pour moi, c'est juste qu'il faut la draft, sinon, ça va être terrible. Oui, pardon, du coup, on est déjà au late game et. On est déjà au Rayquaza. Et je digresse. Le premier qui écrit Grèce dans le chat est ban. Hein. Bref. Unite, il y a tout qui est A, Estier à sa sortie. Encore une fois, non, bon, les amis. Blodocus n'était pas Estier ni A tiers. Décédion était D tiers. Cisadiox était D tiers. Lugulabre est A tiers, mais c'est pas broken non plus. C'est très fort. On peut pas dire que chaque perso dans Unite qui sort est S tiers. Après, récemment, les persos sont forts. Hein. Après, encore une fois, moi, si un perso sort qu'il est D tiers, ça me fait chier quand même. C'est relou pour les gens qui l'achètent. C'est ça. Puis c'est relou parce que ça change rien au jeu, tu vois. Blodocus, au final, il a vraiment été random, quoi. RIP. Hein. Il aura sa méta. Moi je suis persuadé que Mipodocus aura sa méta un jour, mais. Bon, ah, là, il a joué quand même. Côté. Ouais, il jouait, mais bon. Ouais.
Ouais, il est joué quoi. Et en fait, le problème, c'est qu'en plus de ça, il a été autorisé en compétitif à peu près en même temps que Loclas. Donc Loclas a Ouais. complètement éclipsé quoi. Donc, bon, revenons sur ce late game rapidement. Voilà, là, t'es en mode bon, je suis là, mais il y a quand même le Zoroark. Faire très attention. Est-ce que tu penses que ton placement était le bon là? Un peu derrière. Fallait que je retourne un peu derrière, mais sinon ça va. Faut que je pile Ok, le ça va. dragon. Parce que je me dis, moi, le Zoroark me terrifierait. Moi, je serais en mode ah. Ouais. Voilà, on le voit. Ouais. Il est tout seul, fallait le catch. Petite côte aux gardes. Tu prends quand même Il la meurt ligne. pas. T'étais dans la zone de Hynette, Zoroark là. Enfin, les Zoroark là. Le petit pas de trop, petit pas de trop avant d'être bump. Là, il fallait Hop. les heal. C'est Il ça. Là, on meurt. met les Ouais. heals. Le dragon tombe quand même, mais tu sauves Volto. La boule pollen sur toi, mais ça ne Oh, suffit pas. Il y a les vents glace. Vivra l'aide. il reste plus qu'à ici. En vrai, là, Ah, c'est dur. tu t'es donné au corps à corps pour les sauver. Il y a juste le petit pas de trop. Je dis pas trop de. Ouais. J'ai pas mis passer mon temps. Juste le petit pas de trop pour faire le. Pour. Qui te fait prendre l'explosion nocturne. Mais ton peeling permet à Volto de rester en vie. Et Volto qui derrière. Alors, voilà, on Paf, le ils gère. sont 1v3. Voilà, 1v3 Volto. Un KO. Là pendant ce temps, le Opa te met KO. 2 Ah ouais, KO, c'était 3 chaud, KO. vraiment. Oui, je crois que effectivement, la réaction de vieux pump, le. Le témoigne, les Giga Chat Gaming, équipe top européenne, notre bête tout noir, contre un weekly, premier match de l'histoire de Plush Keepers. Et Volto qui prend un triplé. Volto, légende du club, juste sur cette action. Mais il reste en Ah vie ouais. grâce à ta danse cotonneuse, hein. Ça, c'est encore une fois les travails du support dont on ne parle pas assez. Hein. Quand on voit genre des low class Noctali, on dit waouh, ouais, ils sont intuables et tout. Alors oui, mais c'est souvent parce que derrière t'as un blanc coton ou une euphorie et là qu'on voit pas et. Et là, c'est là vraiment intuable. À Parce qu'un ce côté, les Noctali, supports. c'est ça. Parce que Noctali, en vrai, un Noctali seul, non, il est pas intuable, loin de là. Hein. Si tu prends Non. pas les herbements de Noctali, tu le berces, il va à des pop. Hein. Loclas, encore, il seul, il peut faire des trucs, mais. Et encore. Volto qui On score. remarque ça en plus. Ouais, bon, là, Ouais, c'est c'est ça. clairement win. Et ils ont le temps de flip, le Zoroark peut scorer. Ouais, le Zoroark score quand même. On est toujours devant. Mais il était On seul, passe au ouais, il fait. corps de Volto. À quelques secondes. Et donc, on bat Gigachad. C'est ça. Je crois On prend que notre revanche. cet homme est heureux. Ouais, C'est bien, t'as la musique chill et tout, on est posé et tout. Derrière, t'as le. T'as l'autre con qui s'excite là. Voilà, la revanche qui est prise. Gadget Gaming qui nous avait battu à l'EOS Cup, qui nous a battu en mois de mai. Round 1 win en bracket, c'est un round difficile, on s'en sort bien. C'était bien, on était bien. allez, dehors. Les Sylvanes, c'est broken pour moi. En vrai, Frosty. Quand t'entends que tu as Noctali, que tu as Loclas, que tu as Flagados, on peut pas dire que Deceleon est broken par rapport à eux, quoi. Je. Après, ça veut pas dire. Il peut être broken, mais dans ce cas-là, si Deceleon est broken, qu'est-ce que sont Loclas, Noctali et Flagados, hein? Ils sont tous forts, oui, je vois la logique. Mais après, Deceleon n'est pas. Je trouve qu'un Deceleon, par rapport à un Faunar, tu vois, par exemple, c'est la sauce. Après, Deceleon, c'est fort quand même, hein. C'est quel tank que tu préfères jouer toi forward en tant que support C'est le temps que je préfère jouer. Bon, on Non. va dire la Prasse. Hein. Ouais c'est tout en plus en sécurité. Tu peux juste Ouais, spammer les stats de heal. exact. Trop fort. Les stats de heal bien sûr. Ah c'est vrai que t'as Puisque du. tu me gardes avec la Prasse, j'ai un cible. Ça j'avoue la petite coton de garde. Stonks. Stonks, Stonks, Stonks. Écoute, mon forward, maintenant qu'on a passé l'analyse, est-ce qu'il te reste un petit peu de temps, toi, de ton côté Ouais, vas-y. Parce que je Ça part. propose qu'on se termine, les amis, avec les fameuses Game Viewers du dimanche analyse. Les fameuses Game Viewers, les fameuses Aram. Les Arams du dimanche analyse. Faut qu'on finisse là-dessus. Est-ce que tu as déjà fait les. Est-ce que tu vois ce que c'est qu'une Aram, toi, forward? Je crois que c'était full bot, c'est ça? C'est ça, exactement. De toute façon, j'ai créé un lobby, je vais t'inviter, je vais rappeler les règles pour le chat ensuite. Une Aram bot. Attends, j'ai déjà créé le lobby, faire les choses dans l'ordre. Je vais lancer le jeu sur Nonsmurf également pour être bien. Est-ce que tu as lancé ton jeu toi forward ou pas? Je le lance là. Vas-y, vas-y, lance, lance, lance. Alors, une Aram bot, les amis, c'est le mode de jeu que l'on fait tous les dimanches, dès qu'on fait le dimanche analyse, où l'invité, team invité contre team pump, donc team forward contre team pump. J'ai la réputation d'avoir 11 défaites d'affilée actuellement en Aram. Donc à toi d'aller chercher la 12e défaite d'affilée, de m'infliger ma 12e défaite d'affilée, forwards.
Je compte sur toi, tu as la pression, désormais. Ah bah faut faire la différence, ça t'as pas le choix mec. Hein. Maintenant que j'ai ici tout ça... t'as annoncé. Oui, ça c'est perdu. J'ai annoncé que j'étais gaze, que t'as pas le droit de perdre. Hein. Ah, là, c'est... Il te souvient une petite victoire, sinon. C'est ça. Tac, je vais me connecter ce jour. Oh non, mais mon faut le mot de passe. À chaque fois, il y a... À chaque fois que je veux me connecter sur mon téléphone à mon smurf pour pouvoir reset en cas de crash, je suis en problème. Alors, tac. Voilà. Hop. Cette fois-ci, c'est le bon mot de passe. C'est le bon compte. Parfait. Invite-moi. T'es invité, mec. Allez, c'est parti. Et du coup, je vais pouvoir afficher la partie dans le chat. Alors, bah, je te laisse te mettre dans l'équipe du bas. On va se mettre en mode draft tranquillement. Le but du jeu, les amis, on va aller sur la voie du bas uniquement. Alors, je vais mettre le code du lobby pendant que... Si j'ai le code du lobby. Ah. Chapeau, chapeau, mon jeu qui est pas détecté. Chapeau, chapeau, le jeu pas... Ah, je sais pourquoi. Là, je vais détecter. Voilà. Vous avez l'identifiant du salon, n'hésitez pas à join. Vous avez l'identifiant du salon, les petits potes, n'hésitez pas à join. La Rambot, qu'est-ce que c'est? On va tous aller sur la voie du bas. Interdiction de sortir dans la voie du bas, donc vous ne pouvez réaliser le farm que sur la voie du bas. Interdiction au Protect Score, interdiction au Turbo Score, donc tous les systèmes de scoring. Et le but, ça va être de casser la première goal zone. La première équipe à casser la goal zone de la voie du bas remporte la Rambot. On a le droit de faire le golem. Vous avez juste pas le droit au Pokémon de soutien également. Donc ça, pensez-y. Hop. Tac, je vais rejoindre avec My Smurf. Pas le droit au Pokémon de soutien. Donc pas de Pokémon avec le fond orange, pas de blanc coton, pas de gros doudou, pas de Monsieur Mime, pas de Oupa, pas de... Bref, pas de l'euphorie. Pas d'item de scoring, pas de turbo score, pas de protect score. En vrai, de vrai, si vous voulez jouer la poupée Munja, qui est open, jouez la poupée Munja, c'est drôle. Sinon, pas de ban à part ça. On peut back, oui. D'ailleurs, c'est bon courage de vous back parce que vous ne pouvez pas vous soigner sur la deuxième goal zone. C'est soit vous soignez sur votre goal zone, soit vous prenez les Bessitrus, soit vous allez back. Donc vous avez le droit de back. Et globalement, c'est à peu près tout. Hein. Et seulement le farm de la voie du bas. Pas le droit de prendre du farm ailleurs. Donc vraiment les Balbuto, Wimessir qui traînent. Et puis voilà. Et puis voilà. Est-ce que les règles sont claires? Je vais cacher les autres fans du lobby. Vous êtes tous dans le lobby. Merci à tous. Je rate pas les équipes. Je sais même pas si c'est équilibré. Est-ce que tu es prêt, mon beau forwards? Allez, c'est parti. C'est la draft, hein. C'est la draft, je rappelle. Tac, 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 tac. Eh bien, je crois que c'est parti alors. Stonks. OMG, les amis. Moi, je ne dis rien ce qui est broken ou pas. Alors, on est first pick, les amis. Moi, je dis si on est first pick. On peut battre ça si vous voulez, on peut le jouer. Le but étant que. On va voir ce qu'il nous laisse, mais. On pourrait battre ça aussi, hein. Pour aller chercher le. Comme vous voulez. Ça, il faut qu'il soit niveau 6, hein. Je sais pas. Moi, j'aurais banné ça en vrai. Vu qu'on est first pick. Ok, les gars, il faut qu'on prenne. Faut qu'on prenne Mew ou Mentally, les gars. Moi, je dis Mew est open. Ou alors, il nous faut Mentally, les gars. Moi, je dis Mew, Mentally open. Il faut aller le chercher. Au pire, on en change. Si vous voulez pas jouer, on change de rôle. Mais s'il vous plaît, moi je tryhard. Ça fait 11 fois que je perds ce mode de jeu. Pitié. Je veux juste gagner un jour. Ok, Mentally, parfait, 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 parfait. Finalement, open. Oui, tout est open. Sauf les Pokémon de support. N'oubliez pas, pas de Pokémon de support. C'est tout. Pas de Pokémon de support. Sinon, vous avez droit à tout. Patient et compagnie. Tiens, une compagnie. Il nous faut un Pokémon avec multi-exp aussi et on sera Gucci. Ah oui, c'est vrai que j'ai mon mode spec pour pouvoir arbitrer si quelqu'un m'a un item de scoring. C'est parfait. Oh. Eh ben, c'est perdu, Kurosé, c'était Nefix. C'était un Pokémon de support. Oh. C'est donc une défaite par forfait. Bien joué à tous. Bien joué à tous. C'est un Pokémon de support. Je viens de le dire qu'il fallait pas prendre de Pokémon de support. Bravo à toutes et à tous. Ça a bugué. Ah, ça a bugué. FF. Bah, ça fait un 0 pour Pump. Ça fait un 0 pour Pump. Ça fait un 0 pour Pump. Bravo à tous. Tu vois, voilà, j'ai été la première victoire. La première victoire. En vrai, de vrai, j'avais dit que j'étais en 11 défaites. Officiellement, je suis en 2 victoires et 13 défaites. Les 2 victoires étant des victoires en draft. Des victoires accueillies en draft. Vous inquiétez pas, les amis, j'ai mon mode spec. Finissez la draft au pif. Et je vais relancer la partie, on recommencera une draft.
On recommencera une draft, les amis. On reprend juste les mêmes bans si possible. On reprend les bans Fenard, Noctali et on repique le Mentali. Et après, c'est parti quoi. Allez, deux supports, c'est parti. C'est ça. Juste renvoyer la game au lobby dès que c'est chargé et puis tout va bien. Tout va bien. Yo Kev, le tournant, on a fini à 3ème place hier, ce qui était une excellente performance. Pour la team qu'on avait, franchement, c'était très satisfait de la 3ème place. Sur 10 équipes, propre. Propre, propre, propre. J'ai la haine. C'est pour ça, mais c'est pour ça qu'on met toujours un spec pour qu'on puisse renvoyer la game au lobby et tout. Ne vous inquiétez pas, tout est prévu. Tout est prévu. Tout est prévu. Entre les bugs et tout, les gens qui oublient. Tout va bien. T'as bien représenté tes 3K5. Franchement, quand j'ai vu qu'on était 3K5, j'étais en mode oh non, ça veut dire que mes mates ne pourront pas me carry. Oh non. Nouveau lobby, ah, ça va être le même. Après, c'est des gens qui quittent au milieu, il y aura de la place, mais. Bon, c'est vrai que ça c'est chiant, on peut pas renvoyer la game dès la draft quoi. C'est à dire qu'on est obligé de temps de chargement, renvoyer la game au lobby. Oh le skin ouais, Florizard moche. Après, heureusement que t'as un spec, hein. On aurait dû attendre 5 minutes. Eh oui, mais c'est pour ça, hein. Je mets toujours mon smurf en spec. Ouais, parce que les remakes ça dure vraiment longtemps, les 5 minutes, ça c'est un enfer hein, aussi. Hein. C'est un enfer. Je pense en mode tournoi, à la limite, faudrait qu'ils genre mettent l'option de surrend dès le début. Genre dès seconde 1, tu peux surrend. Ouais. Parce que pour les ranquettes d'accord, mais pour le mode tournoi en vrai, moi je dis comme ça les équipes peuvent remake rapidement. Prêt. C'est parti. Petit feedback à faire à l'équipe de dev, ça. Tac. Allez, retour au lobby. Retour au lobby. Et on va relancer la draft, ça va être bien. En cas d'égalité, l'équipe qui atteint le score final en premier gagne la partie. Victoire. Au revoir tous. Tac, tac. Un petit retour au salon tout le monde et on y retourne. Hein. On y retourne. Hein. Cujo, il y a sur l'animal. Ma capitaine, hein, ma capitaine. Hein. Bah, je spam A, s'il vous plaît, faites next et c'est gagné. Je spam A, hein. Vous entendez le chat là? Qui est encore dans les menus, pitié, il faut appuyer sur continuer. Voilà. Non, il n'y a pas de support. Hein. Ouais, pas de support, on reprend les mêmes bans. On reprend les mêmes bans, les petits potes, et le même pic mentali, et on est good. Je l'avais appris comme ça. Même ban, puis juste mentali, après on reprend. Voilà, nickel. Mentali, après la draft recommence. Joue à tous. Alors, okay, il y a ça, il y a ça, même ça qui peut être cool, ça qui est late, ça qu'on joue tout le temps. Côté ça, il n'y a pas beaucoup, hein. Par éventuellement ça, mais bon, j'y crois moyen. Même ça, c'est relou. Non, il peut y avoir ça, et même ça en vrai. Hein. Ça, après, je sais. En vrai, moi, je pense que savoir ce que je vais jouer. Je pense savoir ce que je vais jouer. Il nous faudrait un tank. Est-ce qu'on a un tank ou pas? Parce que j'aimerais bien prendre ça en vrai. J'aimerais bien prendre ça en vrai. Hein. Si on a un tank multi-ex, c'est parfait. Hein. Oh, Fax, il prend un tank, c'est parfait. Vas-y, je vais lock. Hein. Je vais lock. Hein. Qui prend le mentali? Ah, moi je reste sur Lugulabre. Moi je garde mon Lugulabre. Ratio. Et le dernier pic, le chat. De Atem. Avec Mipodocus, Goupelin, Mouscoto, Mew. L'archiduc. Hein. Est-ce que ça va être lock? Mm-hmm. Ok, faut les offres en early, les gars. Faut qu'on passe les Evoli niveau 4 ouais, en les enfonçant. Je suis vraiment pas fan là. On a tellement on passe les Evoli niveau 4 en les enfonçant, hein, le chat. Hein. On passe les Evoli niveau 4 en les enfonçant. Hein. Mais du coup, la cuillère sur le gars, est-ce que c'est rentable avec infiltration? Mes mathématiciens du chat là. Parce que non, donnez pas de conseils. Donnez pas de conseils. C'était pas. Pitié, je veux gagner une Aram, s'il vous plaît. Oui, ça passe, ok. Parce qu'il y a les histoires que, en fait, avec les Pokémon qui ont des drops de défense spéciale, si tu mets un cuir en plus, bah. En fait, ça s'additionne pas, quoi. Joue veste, mec. Putain, je vais jouer mon casque brut. Attendez, merde, faut que je mette casque brut. J'ai une casque brut. Merde, où est mon casque brut? Hop là, c'est bon. C'est good. Ah non, j'ai appuyé sur B, pas sur A. Oh non, j'ai pas mis mon casque brut sur mon Gulabre. Oh, flûte, j'ai appuyé sur B, pas sur A.
Oh, non, oh, vrai, non. Oh là là, quelle tête de Linotte. Hein. Quelle tête de. Oh, vraiment. Oh, flûte. Bon, en vrai, de vrai. Oh, le Moscato. J'avoue que Moscato, on l'a jamais trop vu sur ce mode de jeu. Les gars, faut qu'on mette la pression. Le Moscato, faut pas qu'il s'avance. Dès qu'on va s'avancer, on le met la pression, on le déglingue. Il va choper si l'allié là. En vrai, on a une compo super late. Hein. Ouais, c'est pour ça, hein. Pour ça, les gars, si on peut les enfoncer, si on a Fidali Mentali qui évolue niveau 4. Oh, du Weshden. Ah non, le Weshden pendant le dimanche analyse, c'est chiant. Mais c'est parti. Vas-y, attends, je lance la game. Oh, ouais, dimanche analyse, j'avoue que c'est chiant pendant le dimanche analyse. Oh, quand je vois tout le monde aller au bot là. Oui, tout le monde au bot là, tout le monde au bot là. Ça, c'est vrai que je sous-estime la portée de Famèche. C'est big la portée de Famèche de Funicia. Genre, tout le monde au bot. Aïe. Ouais, le muscule, la potion le muscule aussi là, ça va ça. Il aura passé les évolus niveau 4. Voilà, on passe les évolus. Ouais, les évolus sont bien là. Les évolus sont bien là. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Ah ouais, il joue l'ensoleil, il en aura qu'un toutes les 1000 secondes. Hein. Il aura qu'un l'ensoleil toutes les 1000 secondes. Hein. Ouais, petit point, voilà, un là. Lui là, nice. Il pas les points, il pas les points. Oh, il joue Pupi Munja! Il joue Pupi Munja! J'avais pas vu, il joue Pupi Munja, let's go! Ok, là, j'ai eu un kill. Ah non, putain, j'ai. Ah, j'ai hésité à bouton fuite, j'étais en mode je vais tanker. Je suis trop con. Je suis trop con, je me rends avec mon bouton fuite. J'ai trop hésité. Je suis trop con. Et c'est niveau 4 évolués en vrai. Nice, 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 nice. Ah, il me fout juste le mental, il a pas. C'est compliqué là. Faut une sous-pression là. Faut une sous-pression en vrai là. Allez, on catch, on catch. Oh là là. Ouais, le muscule, il a crash, je crois. On laisse pas approcher de Moscato, comme on a dit. Voilà. Et là, les gars, là c'est le power spike là. Là c'est le power spike là, faut qu'on finisse là. Oh, c'est un new multi-ex légendaire. La 2 multi-ex. Pour sa mère. On est tous dans le dodge là. Ok, c'est bien, on continue à mettre la pression. Hein. On met la pression là en vrai. Hein. Et j'ai oublié tout. Aïe. Du PV. Vous pouvez mettre la pression encore à 4. Hein. Moi j'arrive. Hein. J'arrive. Je vais avoir mon 5 en plus. Pas de PV évidemment. Le stun. Hein. Voilà, c'est bien. Je vais suivre le 1. Ok, c'est bon. On le flagger. Regarde. Voilà, c'est bien. On y va, on pousse. On pousse la pression. Oh non. Bon, voilà. Voilà. On le flagger, bien joué. Attends. J'ai pas de spell. Je suis pas niveau 5. Hein. Brandez-vous derrière qui nous arrête. Faut le fumer lui hein. On laisse pas. Voilà. C'est bon, je suis 5 les gars. T'es, il a marqué 15 points. Oh, je prends. Merci. Ok, les abeilles. Ah, il a Pupi Munja, T'as vrai qu'il a Pupi Munja, je jouais tout le temps le spell. Ok, moins 2, on pousse, on reste autour. Là, tout autour, ouais. Elle est là, voilà. On score. OMG. Ah, je score pas, c'est pas grave. Pas grave, j'ai pas scoré, moi, c'est pas grave. Je score ou pas. Ok, c'est chaud. Oh non, allez. C'est fine. Ouais. Voilà, mais pas y'a le golem. On a marqué combien? On a marqué beaucoup de points, ouais. Je suis vivant, ouais, mais je sais pas comment, mais je suis vivant. Je suis giga vivant, je sais pas comment, mais je suis vivant. OMG, hein. Il faut mon 7 en vrai. Oh, parfait. Je suis 7, les gars, on est bien. Le flagger. Regel, c'est mid. Ok, on a pris moins 2. Bon, prendre le Regel, c'est pousser sur la tour. Hein. Oh non. Ouais, je suis un HP. Ouais, j'ai un HP. Et oh, c'est go, c'est gagné, j'avais pas vu, oh, c'est gagné. La team est trop forte. Enfin. Après 11 défaites, oh, en Aram après le tryhard. Il m'aura fallu une 12e pour briser la malédiction. Let's go. Tout simplement fabuleux. Oh oui, Richard, regarde ça. Tout simplement fabuleux. Trop dur.
Est-ce qu'on contrôle la passe de moi? Bien joué. Ah, Lugulab, c'est bien en vrai. Pas hein. Grand chose, mais les évolutions nous ont mis bien. Oui! Désolé, mon forward, c'est toi qui as été victime du bris de malédiction. Désolé. Ah, compliqué. Ah, bien joué. Mais je te propose une revanche. Oui, oui. Revanche obligatoire. Bien sûr, revanche, évidemment. Une revanche sur laquelle je vais créer un nouveau lobby, évidemment. Pour permettre à tout le monde de tourner un petit peu, bien sûr. Putain, j'ai mon soir, je prends jamais tout le monde, j'ai des points rouges de partout. Regardez le stress. Genre, point rouge. Hey, clique ici, point rouge, abonnement unité, point rouge. Hey, des récompenses, mec, des récompenses. Hey, mec, vas-y. Ça me trigger. Là, tu peux me request une invitation et. Ouais. Tac. Et on va pouvoir afficher le code du jeu. Parti. Maintenant, paf. Code du lobby affiché. Je vais me mettre dans l'équipe du bas pour échanger les. Descends. Ouais. Attends. Ouais, moi je descends moi. Sans échanger les drafts. Tac. Je lance dès que c'est prêt là. Paf. Merci à tous. Vous avez été nombreux encore à join rapidement bien sûr. Désolé à ceux que je vais devoir exclure. Premier arrivé, premier servi hein. À moins que certains qui n'ont pas joué. Donc pas joué, celui qui a quitté le salon. Si certains qui ont déjà joué veulent laisser leur place. Bah après là il y a plus de spec. Je vais retourner là. Blue Edo est là aussi. Moi je dis s'ils essayent de y aller. Bon je vois que ça quitte, allez, je lance. On y retourne. Je relance, on est second pick la team. Ok, on est second first nous. Je sais pas en vrai les gars hein. T'es sûr avec ça là? Non. Ça... Non, on le prend. Il est où le. Je vais banner ça, moi. Après, de toute façon, faut qu'on banne une évolution pour moi, en vrai. Oh. Bah. Oh, les bannes à deux votes et deux côtés. Il y a eu des bars. On était pas d'accord. Il y a eu des bars. Prenez-moi des évolutions, le chat. Hein. Là, il y a plus que Moctali. Le problème, c'est que du coup, on laisse Moctali. Là, on peut avoir Mew, ouais. On peut avoir même Jivrali qui peut être pas mal. Nymphali, Philali, Mew, c'est bien. Non, mais ça drafte bien. Oh non, mais. Et c'est un support, bravo à tous. Bravo à tous, c'est perdu, deuxième victoire par forfait, bravo. Oh, mais c'est trop. Eh, je suis en 3-0 là. Eh, c'est trop, eh, c'est horrible. Bravo à tous. Un chat vraiment. Hey, aujourd'hui, d'habitude, si un mec pique support, des fois ça arrive. Et si ça arrive, ça arrive qu'une fois dans le stream. Là, ça fait deux fois. Enfin, non, vraiment. Deux, bravo les téléphones, bravo les bugs, bravo le chat. Bravo à tous. Bravo à tous. Les abonnés, ils comprennent pas les règles, c'est ça. Les règles n'ont pas été traduites. Un deux fois de suite quand même, non, c'est trop. C'est perdu. Vraiment, plus ça n'arrive jamais. Vraiment, ça n'arrive jamais. Ça arrive une fois et après, c'est vas-y, ça passe. Ouais. T'as fait tout, t'as fait en sorte que tu gagnes. C'est pour que je gagne 3-0. Officiellement, je gagne 3-0 du coup. Voilà, bref. On a été meilleur. Je pense aussi qu'on a été meilleur. Vas-y, je m'en souviens plus de l'ordre de draft là. Ah, bah, c'est juste Mentali, Philali, Mew. Gour faire pareil, on relance, reprend les mêmes bans. Fenard d'un côté, Noctali de l'autre. On reprend Mentali, okay. Philali, Mew. Et puis après, on reprend un draft tranquille. Comme elle en a été. Tout à l'heure. Ça va vous le chat? Ça va vous le chat? Et après, on peut discuter avec le chat là. C'est le moment. Hein. C'est le moment. Hein. Les casser votre jeu. Aïe. Je suis sur l'archiduc. Vas-y, je prends l'archiduc. OMG. Pourquoi l'archiduc il est immense par rapport à Mew, Nymphali et tout? Alors, le sprite Archiduc est immense sur Archiduc. Je savais pas que l'Archiduc c'était aussi grand comme Pokémon. C'est quoi la taille d'Archiduc? Archiduc. Poképédia. Ah, ça marche bien en plus. Hein. Ça marche bien, dis donc. Archiduc.
quoi la taille de l'archiduc? Ah oui, c'est 1m60 quand même, archiduc. Oh, c'était plus petit, moi. 1m60 quand même. 36 kilos à peine pour 1m60. Ah oui, il est anorexique, la chouette. Et la anorexite, cette chouette. Trop anorexite, la Ça c'est chouette bon. MDR. Lobby sont full bug en ce moment. En vrai, il y a des turbo lag. Moi, ça va, mais. Moi, depuis que j'ai ma manette qui drifte plus, franchement, c'est un plaisir pour draft. J'ai plus mon mes boutons qui vont à droite sans. À gauche, pardon, sans que je demande. C'est parti. Let's Cette animation sort du mur. Lugulabre, il est super grand. Ah ouais? C'est quoi la taille de Lugulabre? Lugulabre. Après, c'est un chandelier, donc j'avoue qu'un chandelier. 1 mètre. Non, c'est petit, Lugulabre. 1 mètre. Défaite. Alors, 1 mètre avec ou sans la flamme? Oh, ça va en vrai, 1 mètre. C'est un chandelier, quoi. Wailord. Putain, c'est grand, Wailord, je pensais pas. Hein. C'est pas, c'est grand. Le support MVP, c'est ça. Spam A, OMG, je spam A, je spam A. Appuyez sur A avant que des gens rejoignent parce que j'ai leak le code. Bah, voilà, tous. Au revoir à tous. Allez, c'est parti. Vas-y, on reprend la même draft, sur le même ban. Voilà. Fenar ou pas. Et Noxali, pardon, et c'est parti. Hein. Et du coup, on reprend first pick Mentali et second pick Philali, Miu. Et on est good. Vas-y, Hugo Pass valide n'importe quel pick. Valide n'importe quoi, Hugo Pass. Allez, ça. Si vous êtes dans la priorité, vous pouvez ban n'importe quoi, ça comptera pas de toute façon. Vas-y, reprends Mentali. La majorité, c'est ça. Kurosek va prendre Mentali. Kurosek va désormais prendre ou pas. Il est hésité. Pas de Ténéfix ni de ou pas. Allez, maintenant la draft reprend, c'est parti. La draft reprend, c'est parti. Bam. La draft reprend. On va prendre des petits picks sympas. Un petit défenseur en moustique, c'est pas mal. Au multi-ex. C'est Lucario. Moi, bon, il en reste un qui est pas trop pris. Le chat, c'est lui. Hein. Lui, là. Pas mal aussi. Hein. Ok, on a le Mamo. On a un Gardevoir, c'est très late. Oh, le Gardevoir, Bandeau Musc Antiscope Potion. Oh, ça, c'est des bons builds Gardevoir, ça. Un def ou. Quoi, attends. Vas-y, fais. Je pense que ça va jouer comme ça. Hein. Bon, je pense pas le prendre du coup lui, mais. C'est open, il me faisait plaisir. Il me faisait envie. Hein. Après les gars. Voilà. La compo full mage là. Alors, en vrai, ça c'était bien quand même. Hein. C'était bien quand même ça. Hein. C'était bien quand même ça. Hein. Changer ça. C'était qui explique. T'en as combien de multi-ex? De quoi? On a deux. Ouais, deux multi-ex, ouais, c'est bon. Ok. Hugo, t'es pas obligé de prendre multi-ex sur Tarsal, genre vraiment pas. Genre vraiment enlève ce multi-ex, sinon la game est perdue. Multi-ex sur Gardevoir, c'est la pire idée. Tu as un de ceux qui a besoin de plus d'XP dans notre équipe. En vrai, enlève le multi-ex. Sinon, c'est fin de game pour toi. Après, Kiralia, c'est ok, hein, mais tu vas rester toute la game Kiralia, quoi. Ah, il faut enlever le multi-ex sur Gardevoir. Hein. Un seul multi-ex ça suffit. Hein. Mais il faut juste mettre une lunette sage. Une lunette sage. Ouais, pas sûr que le Bandomus fasse la diff, mais hein. Vas-y, hein. En lane, comme ça. C'est full face de lane. Hé. Hey. Oh, t'as qu'à le carry, bien sûr. Gardevoir est un mage, autant prendre des objets qui boostent l'attaque spéciale, bien sûr. Kiachu, c'est pas mal aussi, hein. Je l'ai pris une fois. Mais toi, tu le joues Fatal Foot 3, non? Non, toi, tu le joues tout. On va voir. On va voir, hein, ça ne donne pas trop d'infos. Je hein. Je donne pas d'infos. Hein. Pas d'infos. Hein. J'avoue qu'en vrai, les amis, il faut juste que je passe niveau 7. Et si je passe niveau 7, la game est finie. Il hein. C'est quelque chose. Hein. Garde voir, c'est late. C'est parti. Ouais, Gardera, c'est très très late par contre. Nous on a refait aussi. Mais t'as gâté, c'est un Gardevoir, il a la strat. Hein. C'est un Gardevoir du méta. Ok, la stit, let's go.
c'est notre garde Abandonmus qui prend XP, bien joué. C'est bon. Allez. Neutral, les potes. Allez, faut la victoire là. Oh oui, pas mal le poke. C'est pas mal le poke, ça la team. Aïe, 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 aïe. Pas que je me moto vite cette fois-ci. Merde, du coup, je garde pas mes spells pour ça là. Vas-y, j'envoie mes spells pour poke et j'ai pas mes spells pour smite après. Très bien, ça comme. On va essayer de mettre un petit d'ailleurs, rien. Ouais, c'est le 4 à thème, hein, je pense. Hein. Oh, le mamochon, allez. Mamochon, allez. Car on met la pression. On sauve, on sauve. Nice. Ouais, c'est pas vrai. Nice. J'ai stun, j'ai stun. Le Mardibou a un HP. Hein. Attention, mon pali. On farm, on farm, on farm. Ça, neutral, 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 neutral au top. On l'a eu. Ok. Ok, attention au fatal foudre. Choc petit, ça peut aller très vite. Hein. Oh, je suis focus. Hein. Oh, ouais, je dis ça. Aïe. Aïe. Personne à scorer. Hein. Ouais, non, personne à scorer. Oh, la game est tendue là. Garde de position. C'est serré. L'avance d'XP. Hein. Vas-y, du coup, laisse-moi XP en vrai. Ah non. Le Tarsal, il aime bien voler toute l'XP de la map. Après, il a besoin d'XP, hein, il a besoin d'XP, mais j'avoue que Max, si on est niveau 5, on a gagné la game, quoi. Oh, le carré multi-ex en légende. Ah, c'est serré, hein. Ah ouais, c'est tendu, là. Ouais, ça dure longtemps, les games, hein. Allez, on a Kirlia, maintenant, les gars, c'est parti, là. Kirlia à diff, maintenant. Quelle pression, du coup ouais. Leave me XP, please. Ok. Lucario. Nice. Oh, c'est bon, c'est bon. Allez. Okay, I'm alive, I'm alive. I'm alive, I'm alive. Attention, Red Jice, hein. Ça va le faire. On rejeune. Bon, c'est temps de s'en regarder dans le blanc des yeux là, ça joue passif. J'ai mis 20 ans de rejeune là. Oh, le pauvre qui met par contre. Hein. Il le start. Ah, yes, on l'a eu. Voilà, pas grave. Derrière, contre. Ouais, j'ai flash parce que j'ai eu peur qu'il prenne le heal. Peur des kills, hein. C'est pas bon. Ouais, sa mère. Arche du K7. Oh merde. Oh, l'arche du K7 les gars, je crois qu'on l'a. Là ça y est, là c'était ma hantige. Là c'est compliqué hein. Là laisse moi XP, petit du coup. Il faut mon set les gars, il me faut mon set les gars, si on a perdu un. Hein. L'arche du K7, pas moi. Là, oh non, ils ont tout le ult. Oh. Ok, ils sont moins 3. On peut essayer de faire un truc là. Hein. Un petit peu temporisé. On arrive. Je vais les gars. Temporisé. Bien joué. Faut y aller les gars, faut pas reculer hein. Faut pas reculer hein. Bon allez, bah t'as pas reculer maintenant. C'est bien, on a récupéré des kills. Ah, faut y aller, hein. S'ils sont que deux sous tour, on y va. Hein. Mais je suis pas 7. Pitié, laissez-moi les mobs. Par pitié, laissez-moi les mobs. Je suis le plus bas niveau de la game, FF. Vas-y, frère. Tarsal, Kirlia, je t'en conjure, laisse-moi les mobs. Je t'en conjure. Stop, venir me les voler. Par pitié, je sais pas smite. Parfait, c'est gagné. Eh non. Oh oui. Eh, flaga, faut tanker. Je vous laisse XP derrière.
Vous avez l'info sur pause, hein. Vous savez où ils sont. Hein. Le Mew? Ok, le Team Mew. Ah non, c'est trop ce perso. Moi je prends full Unite, mais vas-y, ça passe. Ah, ok, faut scorer maintenant. I'm curious. Oh non, mon possessif, il est pas parti, frère. Oh, oh je suis trop en Hunter. J'ai des positifs clutch, je sais pas. Ok, ça passe, ça passe. Let's go. Oh. Le scoring qui passe à la dernière seconde, j'ai rien fait de la game. Je n'ai servi absolument à rien. J'ai passé ma game à farmer. J'avais deux positifs à mettre, je les ai pas mis. Oh, Philali. En vrai, Philali dans ce mode de jeu. Ah, c'est trop trop fort. Oh, Philali. Et on a trop sous-estimé ce perso. Oh, Philali. C'est la première fois qu'on a un non-mage qui se révèle être aussi fort quand même. Hein. Ça serait quand même mieux 42k, mais. Oh, ouais, les yeux de Philali. Ouf. Oh, ça file à l'axe, hein, max. Hein. C'est une dingue. Putain, j'ai eu peur hein, parce que l'archiduc avait ses flèches. J'étais en mode, oh, sa mère, c'est perdu. Ah, on voulait le ban au début en plus. Oh, c'est terrible. Hein. Moi j'ai raft toute la game en plus, c'est terrible. Big FF. Hein. Ça veut dire qu'il faut, il faut rafter autre chose. Est-ce que tu vas en faire une dernière, hein, mon beau forward? Vas-y. Parce que... Allez, ouais. Une petite game la dernière. La belle, celui qui gagne, gagne tout. MDR. Ah, c'est parti. Non, ça, je remets tout en jeu. Je mets tout en jeu maintenant. Mais ils sont brisés. C'est beau. Ah, vraiment, quel enjeu. Quel enjeu il met, bien gagner, sûr. Là. À la foreuse, une petite là. Je vais te. C'est équipe basse, du coup. Vas-y, demande. Ouais. Et moi, je vais afficher le code du lobby. Le dernier. Le dernier, The Last One. The Last One, les gars, The Last One, Team Pump contre Team Forwards. C'est le moment, les gars. C'est le moment. Le code du lobby, juste ici. Je vois que ça change, ouais, il y a des nouveaux joueurs en plus, c'est parfait. Il y a des nouveaux joueurs en plus, c'est parfait. Tac, merci à tous d'avoir suivi Join. Oh, merci à tous d'avoir Join également. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux à Join aussi. Merci, merci. Merci beaucoup, je kick les specs, désolé. Merci à tous d'avoir Join. Et on peut lancer. Merci à vous tous, merci à vous tous. De votre engouement encore une fois, tous les dimanches à 14h. Allez, c'est parti. On est quoi, on est second? Ouais, vous êtes second et nous on est first, les amis. Bah clairement, casser la tête. En vrai non. Non, go pas le ban. Hein. Moi je dis soit on ban ça, soit on ban... Dommage. Non, go pas ban ça. Hein. Non, on peut le pick. Hein. On est first pick, hein. Pourquoi on irait le ban, en vrai? En vrai de vrai, les gars. En vrai de vrai. Je pense, hein. Ouais, tu vois, ils l'ont ban, du coup. On fait ratio deux games de suite, fallait le ban. Oh là il nous faut un... Moi je dirais Fayek, moi j'ai un Mew. Un Mew Mentali. Mew Mentali, hein. Mm-hmm. Pas mal, hein. C'est fort, hein, quand même, Mew Mentali, hein. Allez, le Mew, hein. Let's go. C'est bien. Pas de support, on rappelle, pas d'item de scoring et pas de support. Je rappelle. Surchauffe de Lugulabre ban, ça vient de tomber. Ah ouais, c'est ça, non. Ah ouais, ils ont trouvé un bug sur la surchauffe de Lugulabre. Ça vient de tomber, j'ai pas l'info. Je peux aller check. Grâce à la draft. Ah oui. À cause d'un bug mécanique, la surchauffe de Lugulabre est maintenant bannie. Ouh, ça c'est un gros ban, ça, Lugulabre ban. Ah, surchauffe ban. C'est un ban important, ça. On verra si ce sera le cas aux Worlds, notamment. Et même pour les Regionals NA, parce que là c'est l'important, c'est la prochaine grosse compétition le 1er juillet. 30 juin, 1er juillet. Tu veux jouer quoi, Nifer? Tu veux jouer tank ou je m'en occupe? Il reste encore lui. Non, il faut que je change, j'ai dit. Faut que je change. Je peux jouer un... Oh, je pourrais jouer les Zoro, mais... Je sais pas si c'est fort, ça, en vrai. On va essayer. Non, je vais prendre. C'est ok, hein. Go le jouer avec ce set, ouais. Mm-mm-mm.
Ouh, le Mamo... En vrai, le Mamochon, dernière fois que j'ai joué contre un Mamochon dans ce mode de jeu, il nous a fait super mal. Hein. Ah en ouais. vrai, de vrai, le Mamochon, c'est pas un mauvais pick, je pense, dans ce mode de jeu. Pas un mauvais pick, je pense. Pas item de scoring, bien sûr, les potes. Pas de Pokémon de support, c'est parfait. Pas item de scoring, on est bon pour la last. Allez, on finit bien, les gars. Pas d'item sur... N'hésitez pas. Mieux trop fort, lance-soleil pendant 5 minutes. Bonk, bonk, bonk. Là, lance-soleil a toujours les 9 secondes de cooldown, mais c'est vrai que tellement... tout le monde est tellement paqué qu'en fait, lance-soleil il est rentable, même avec 9 secondes de cooldown. Mais tout le monde est tellement groupé et que l'espace est tellement restreint. Et la range de lance-soleil est tellement élevée, tellement inesquivable, que FF1. J'ai pris Tespus, j'aurais peut-être même plus prendre potion. En fait, Tespus c'est bien. Ok, Nigozi en face, Lucario, Azumarill, ils ont une draft plusieurs lits. Hein. Là, franchement, leur early, il va falloir se méfier, les gars. Vous avez mieux Gardevoir en vrai. Bah, Tarsal en early, on va se faire fumer. Hein. Même Duralugon, Tortank, on a Carapuce. Ouais, ils nous ont mis mal. Hein. Ah, là, ouais, le truc c'est qu'il y a Fenara, Azumarill. Ah, ils ont un bon early. Hein. C'est fine. On joue chill comme on fait d'habitude, et c'est good. C'est good, j'ai pris un multi X pour la team, hein. Vrai temps. On a 3 multi X. 3 multi X, ah merde. Un peu sous-optimal ça. Non, c'est bon, on se multi X entre nous. Oh, ça a l'air, l'impression que j'ai prise là. Bah, j'ai déjà plus de bandeau. Ça va, vous, j'ai plus de bandeau moi. Plus de bandeau. Ah ouais. Alors on n'a pas l'early, hein, on rappelle. Ok, on fait marquer plein là. Nice. Je suis mort derrière, c'est un pour un. Voilà, sauce. Prends cher. Hein. Il a 4 multi-ex pour le mec aussi. Genre avec le mode spec. Non, ça va, pas 1000 ni multi-ex non plus. Il ouais, y a des mobs derrière. Je le rattrape. Pas dur à envoyer le cardio par là. Ok, d'accord. Bon. Vas-y, go, frère. J'ai bien joué ça. Wouah, la côté de CC. Même j'ai beau être un low class là, je prends un CC, c'est fini. Ça fait deux fois que je me rends en vitesse plus parce que je peux pas l'utiliser. J'ai vu l'attaque plus de Azumarill, je me dis je risque rien, mais j'oublie qu'ils sont 5 en fait. C'est littéralement 5 pour les dingueries. Et aussi multi-ex. J'ai tombé KO deux fois quand même dans cette game. Hein. Fasse gaffe. Hein. Comme mon 4 aussi, oh, c'est une game. On vous a plus. Allez. Hein. Avec la glace, c'est trop pire spell du jeu. Hein. On a trop marre, on peut plus. Hein. Nice. Vas-y, Gourcu. Je suis sous tour, hein, low class, ils arrivent à me fumer quand même. J'ai gelé, ok. Bon, j'ai mon mur à quoi. Je sais, ils ont commencé là. Aïe. Oh frère. Mais frère, c'est quoi quand t'es de CC là? J'en peux plus. Le combo Nigozi, je suis de glace, c'est trop chiant. Oh frère, je pose la manette pendant 25 ans, je peux pas m'avancer. J'aurais du jeu bouton fuite. Enfin, vraiment du jeu bouton fuite en fait, hein, sur le locas. Parce que là, le vitesse plus, j'ai pas le temps de l'envoyer. Hein. Okay, ah, c'est perdu. Temporisé. Vous battez pas là, ils vont régirock. Hein. Allez, go défendre tout tour. Hein. Je connais moins un, faut contempo les gars, faut contempo. Point.
Non, c'est pas les gars, ils ont l'avantage, hein. Ils ont l'avantage, ils sont un de plus, les gars. Ils ont l'avantage, ils sont un de plus, hein. On va aller. Protégé, protégé derrière. Il pêche, hein. Oh frère, 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 moi je vais. Quel dommage. Oh sa mère. Ils sont moins 2 mais ils vont revenir, on peut pas trop y aller là encore. Hein. Jouer. Oh il a plus de vie. Ah j'ai pas eu le temps de mettre l'attaque. Je prends des dingueries hein. Je prends des dingueries, c'est impossible de rester en vie. Je suis jamais autant tombé KO là. C'est une dinguerie. Putain, vraiment, c'est une dinguerie. Je sais, c'est au moins la 10ème fois que je tombe KO dans cette game. J'ai 20 kills. Bon, maintenant je suis niveau 7 donc. Ils sont nuls. Attention, on va faire ça. Pourquoi Félix il peut s'avancer comme ça en face check et il se fait pas punir? Et moi, dès que je m'avance, je prends. Je me montais. Ok. Calme lui. Je vais négocier, nice. Il y a un. Ouais, le cachet m'a pris les bulles. On peut y aller, on peut y aller là. On peut y aller ou pas là? Oh, c'est trop. Ok, ok, ok. C'est un mec pour descendre. Ok, 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 ok. Non. Oui, 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 peut-être, peut-être, peut-être. Oh. Je bulle, je bulle, je bulle, je bulle, je bulle, je bulle. Oh non, dommage, dommage. Partir là. Allez, on peut punir. Bien joué. Ah, frère. Vas-y, oh, non, 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 non. Bien oh, joué. Non, non, défendez, défendez, défendez. Ils ont go, que 10, go, go, on a que 10 points à mettre. On a que 10 points à mettre, les gars. Faut défendre, faut défendre, faut défendre. Ils ont pas assez de points, ils ont pas assez de points. Ok, ils ont assez de points en fait. 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 Putain, je non, vais. Le contre-attaque. On a trop poussé à la fin. Non. Ah, t'as mis la carrière. Ah, t'as mis le Lucas. Crucifié. Crucifié. Oh, j'ai tellement pas eu de game avec ce low class là. Moi, du coup, t'as perdu du coup, non? Bien vu, mec. C'est vrai que on joue tout sur cette game, putain. Ouais, ouais. GG. J'ai encore perdu contre l'invité. FF. T'aurais jamais dû dire ça. C'est ça. Genre, je. Non, mais on assume, on assume. Regarde, j'ai pris 49 000 dans la gueule. J'ai pris 49 000 dans la gueule en moins de 5 minutes. Oh frère, j'ai pas passé, j'ai pas eu de game. Hein. La quantité que j'ai tanké, vraiment, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie ce que je me suis fait, ce que je me suis pris. Hein. Une dinguerie, une zozoterie, hein, je vous le dis. Hein. J'ai pris une giga zozoterie. Hein. J'avoue, les défenseurs, ah ouais, c'est chaud pour vous. Donc ouais, c'est dans le soleil, mais ouais, mais Mew, ça met une pression de fou. Hein. Regardez qu'il est, il finit plus bas niveau de la team, Resto avec son Mew, il est largement top dégâts. Hein. De la game, même. Alors qu'il est vraiment le plus bas niveau de la game, littéralement. C'est vous dire. C'est vous dire, pas besoin d'XP. Défenseur, trouvait toute la sauce. Ah ouais, non, mais là, c'est... Là c'était très difficilement jouable. C'est pour ça, hein. Tortank dans ce mode de jeu, spoiler alert, c'est pas catastrophique mais presque. Hein. Parce que même si tu prends tout rapide, en fait tous les persos qui ont pas de portée quoi. Tous les persos qui ont pas de portée, c'est FF. Hein. Même surf hydrocanon c'est chaud, ouais j'aime pas trop Tortank dans ce mode de jeu. Après encore une fois, fallait y aller. Hein. Yeah, moi, ils ont joué Nigosier, quasi Nigosier du Maril. Après le combo Nigosier, Mamochon avec Fenard au milieu, c'est trop de CC. C'est trop de CC. On tankait bien, j'avoue. Oh là là là. Aïe 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 aïe. Non, c'était trop. Bah écoute, cool, Forwards, moi j'avais dit tout ce jeu sur cette dernière game. Tu as gagné cette last, tu es donc officiellement vainqueur vainqueur de César Am, hein, finalement. Ah, GG. J'en assume, hein, GG, mec. Hein, trop fort. Trop fort, en fait, mec. Trop fort, mec. Et écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu sur ce Dimanche Analyse. De partager un petit peu ces insights, venir jouer avec le chat avec nous. C'est quoi pour toi la suite là, les prochaines séances, prochains tournois Bah merci à toi. Bah écoute, là c'est cet été, faudra s'entraîner, entraîner un max pour se préparer pour l'année prochaine et puis rendez-vous l'année prochaine. C'est ça, rendez-vous pour les PECS 2024, que ce soit toujours avec le Skippers, avec une autre équipe, en tous les cas.
Ne me fais pas de doute sur le fait que tu trouveras un bon foyer, une bonne maison, une bonne équipe. Très bonne fin d'après-midi à toi, mon beau forward. Un grand merci encore. Merci à toi aussi. Merci pour l'invitation. Bah ouais, puis à très vite de toute façon sur le Discord Pioche Keepers, évidemment. Merci à toi. Allez, merci, plus. À plus. Quel boss, bien sûr. Quel boss. On peut envoyer de l'amour, les potes. On peut envoyer beaucoup d'amour pour le Bro Forward qui a accepté mon invitation aujourd'hui. Un grand merci à lui. Et écoutez, moi je pense qu'on va, on va se quitter là-dessus parce que ouais, j'ai mon train qui arrive dans moins de 2 heures là. J'ai mon train dans moins de 2 heures, j'ai pas fait ma valise, donc c'est parfait. Je pense que c'est le temps parfait. Je le sens, c'est le temps parfait. Ben, merci pour vous, pour l'amour que vous envoyez au Bro Forwards. Un grand merci encore d'être toujours aussi nombreux pour les dimanches analyses à chaque fois, dimanche 14h, des créneaux un peu différents. Mais vous êtes toujours là pour les game viewers, vous posez des questions à l'invité. Moi j'aime beaucoup cette émission, vraiment j'y tiens beaucoup, j'aime bien le format. Même si là c'est une émission un peu plus courte, un peu plus chill, franchement ça s'est grave bien passé aussi. Donc honnêtement, vraiment très content de comment ça se passe à chaque fois. Et vraiment très content aussi qu'à chaque fois ça vous plaise aussi ce genre de stream. Vous êtes toujours aussi nombreux, de plus en plus nombreux. Quand on a commencé le dimanche analyse, il n'y avait pas énormément de monde, on était en petit comité, mais ça n'empêche pas que les émissions étaient grave cool. Et là maintenant on est même sur des comités honnêtes, les game viewers se remplissent instant. Donc vraiment ça donne la force pour continuer bien sûr et continuer de vous proposer du contenu. Je vous l'ai dit, demain je serai pas en stream, mais il y aura une grosse annonce sur le Discord Plush Keepers. Je ferai également des tweets pour l'installation Twitter, pour mon Twitter. Vous avez le lien du Twitter Plush Keepers dans l'annonce. Rejoignez le Discord aussi. Grosse annonce demain sur le Discord Plush Keepers. Voilà, je vous la tease, je vous l'annonce. Donc n'hésitez pas, prochain stream, nous, jeudi pour l'intégrale de l'album Weshden. Et puis les in-house, re-Plush Keepers encore. Écoutez, je vous l'avais dit, hein, la Plush Keepers, c'est l'équipe, mais c'est aussi un moyen de vous proposer du contenu pendant l'off-saison. Et eh bien là voilà, l'annonce de demain, les in-house, c'est là pour ça, c'est ce contenu off-saison. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ouais, il me faut un mug avec le logo de Dimanche Analyse et tout, j'avoue. On a le logo, hein, il est là le logo et tout, il y a juste le petit mug et... Le petit mug et c'est gagné. Le petit mug et c'est gagné, j'avoue, ce serait stylé. En plus, ça doit pas coûter si cher que ça. Oh, je vais le faire en vrai. 100% je vais le faire, Kurosé. Tu m'as donné l'idée là. Tu m'as donné l'idée là, le petit mug Dimanche Analyse, il va partir, je sens. Il va partir parce qu'en plus, oui, avec Stream Elements, j'ai déjà mes boutiques setup et tout. Je peux facilement faire une tasse. Hein. Oh ouais, non, c'est parti. Ça va me coûter 15 balles encore, mais. mais c'est. L'idée est trop bonne. Allez, je vous envoie en raid. Envoyez de la force à la personne que l'on va raid, bien sûr. Pas de raid, pas de stream au début de semaine parce que, comme je vous l'ai dit, je serai à Europa Park avec les Taibo Believers. Certains Taibo Believers. Je vous mettrai des petites stories sur mon Instagram que vous pouvez aller follow, bien sûr. Je vous mets le lien dans le chat. Envoyez de la force à la personne qu'on va raid. Et à jeudi pour le prochain stream, ça a été une très belle semaine chargée en très beau contenu. La semaine qui arrive va être bien chargée aussi. Donc écoutez, l'heure est venue pour moi de prendre 3 jours de vacances avant de revenir à bloc. Bien sûr avec masse contenu, avec l'annonce de demain qui va arriver. D'ailleurs au passage, parce que c'est pas parce qu'on est en vacances qu'on peut pas faire des annonces. Bref, allez, bon raid à tous. Bisous Baba, bisous Misaki, bisous Kurosé, bisous Fayex, bisous Koti, bisous Taka, bisous Nifleur. Et bah envoyez de la force à la personne qu'on va raid, bien sûr. Ciao !